coup, alors normalement ça devrait être bon. La mise à jour de OBS est enfin terminée. Est-ce que Discord est ouvert? Nope. Coucou King, coucou Ata, coucou Teddy. J'ai en train de lire en même temps le chat. Donc ça, Discord c'est bon. Bah, je rejoins tout le monde. Et je suis sûrement la dernière. Pas changé. Ici. Coucou! Alors. T'inquiète, moi je suis pas prête. Ah, ça va, ça me rassure. Je suis en train t'es pas la dernière, non. De régler la 4G. Ah, normalement, ça devrait être bon. 4G jusqu'à samedi. Oh, oui, samedi, on a le rendez-vous. Ils viennent poser enfin la nouvelle box. Alors, SFR, c'est toute une story time, hein. Donc ils viennent. T'arrives à Sion avec la 4G? Ouais. En fait, le débit que j'ai normalement dans ma box, ils m'ont donné l'équivalent de ce que j'ai en 4G, donc. Oui, et puis si le pylône n'est pas. Le pylône de diffusion n'est pas loin, normalement. Il est juste à côté, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc elle a un débit maximal. C'est bien. Et donc ils viennent poser la box. Alors normalement, c'est samedi entre 8h et midi. Ok. Donc après, je suis tranquille. C'est pas long. T'as récupéré tes Pokémon? Oui, ça y est. Demain, ma soeur va me chercher mes flyers à Micromania. Demain, quelle idée? Je crois qu'il y avait été. Bah, je pensais aussi, je m'en vais à Carrefour, tu passes à Micromania? Elle me fait, ouais, pas de problème. Elle revient, elle ramène les courses, je fais, et mes Pokémon? Elle fait, merde! Elle fait, de toute manière, demain, je dois y aller. Donc, je fais, demain, tu vas me les chercher. mais j'ai quand même récupéré mon ectoplasma. Ah oui! Jusqu'au 15! Ouais, demain il y en a un nouveau. Sont généreux en ce moment! Ouais! Oh, demain j'ai. Il y a une qui va sortir. Ouais. Ouais, mais bon, tu pourras pas les utiliser ce qu'on récupère là. Vu que le home sera pas mis à jour direct. Ouais. Et je sais pas pourquoi ils font ça. Donc concrètement, tant que t'as pas les badges pour les contrôler... Mais bon... Ah, t'as interverti le B... Le B levé, t'es dit. T'as boire, je savais qu'il y avait une distribution Micromania, le problème était c'était quand? Bon, ils ont pas donné de date précise. Il y a pas une autre distribution qui est prévue. Il me semblait qu'il y en avait une autre, mais je la trouve pas, donc. C'est pas pour ça, mais c'est pour d'autres trucs. Ah oui, l'Eternatus Shiny. Ouais, mais là, c'est que. C'est pas encore dit, on aura. Je sais pas comment ils vont faire. Si vous voulez faire, c'est pas grave. Qui va là? Oh! Qui va là? On va voir. C'est Maya. Oui. C'est la mort. C'est également distribué en France chez Micromania. Ah, ça prend. Il a malchance. Distribué à Micromania, apparemment. Là, c'est... Aussi. Est-ce que je... Là, c'est... Là, je te montrerai pas, là je vais juste mettre de là. Confier avec une autre. Bon, mais qu'est-ce qu'ils font les deux là? J'ai eu le temps de faire mon nid là quand même. Moi non, moi plus. Merde, mes fleurs! Oh King, je te vois, hein, je te rappelle. Ah ouais, non, j'ai rien dit! La malchance aujourd'hui. Non. Point exclamation, point. Non, on n'a pas encore grillé notre chance. Hein. Pas d'interrogation. Moi, autant dire, je commence mal parce que je commence à t'avenir. Souvent, quand je commence à t'avenir, je commence vraiment mal. Ah oui, je t'ai pas dit, You, sur Tower. Ouais. J'ai eu Fridge. Ah ouais, je l'ai vu, moi j'attends encore la pitié. Hein. Bah, ouais. Mais
y en a une nouvelle qui sort, et apparemment on va avoir une zone, une espèce de one, zone de housing, je sais pas trop quoi. Façon, ouais, une île privée, j'ai vu ça à partir du 15. Ouais. Ah, on a un didactique qui est à la maison là. Hein? On a un didactique qui est à la maison. Ah, je suis étonné, il a pas pris la maison du coup. Ah, tu vois, il était pas dans la tavernaire. Ah, Yo m'avait dit tavernaire. Ouais, à tavernaire. Carte, bah, manque ah, venir. Ouais, je suis tout seul, ultime, tu m'as tué, et quoi, c'est délire. Alors, c'est rien, là, c'est la carte que je viens d'ouvrir, c'est une carte qui était sur un de mes serpents. Bah, moi pour l'instant, j'en ai ouvert aucune qui était dans la boîte aux lettres, ni sur mes serpents. Bah, moi, j'en ai ouvert une parce que, bah, j'avais besoin de place sur mes serpents. Et là, j'en ai deux en stock. Et là, j'ai une que j'en ai enlevé une de la boîte aux lettres. Donc là, j'ai plus que 19 coins. Là, j'ai juste envie de dire OMG, vas-y, j'ai changé de coupe. Bah, moi aussi, j'ai changé de coupe. Hein, tout bah oui. Et tu as regardé ça va, ça va. Et toi, comment vas-tu, Teddy? Mon œil noir a changé aussi, hein. Bah, il reste que Finou, il y a tant de couleurs. Moi j'ai fait ça, mais le problème c'est que j'ai pas, je savais pas comment changer la couleur des yeux. Juste l'iris en fait. Juste le cercle. Ouais. La lumière que t'as dans les yeux, tu peux la changer, mais la couleur de l'œil en lui-même, tu peux pas. Ouais, c'est ce que je pensais. Bah, c'est pour ça que j'ai changé l'iris. Hein. Ah, mais j'ai mis les cheveux blancs avec des mèches dorées. Oh, totalement angélique. Moi j'ai fait un noir. Ouais, je crois que j'aurais pu faire un noir. Quoique, je sais, Edouard. Moi je. Ils sont pas encore arrivés. Je voulais faire le reste de mes cheveux rouges, mais le problème étant que j'ai pas eu le temps. Bah, dis-moi qu'ils sont pas encore là. Tu peux aller voir le coiffeur dans la maison. Ah, yeah. Je suis pas obligée de me dégrouper, si. Non. Tout à l'heure, j'ai fait alors que j'étais coupée, hein. Ok, donc je peux aller finir. Je peux pas, ça t'est dit. Non, j'ai rien. Elle a fait l'angélique. Si, ça existait, il y a un temps. C'est un cupidon, non? Ah, mais désolé, au moins, elle a fait le démoniaque, si tu veux, mais pas... Ouais, mais cupidon, c'est pas vraiment... Cupidon, je suis désolé, c'est pas vraiment un ange, c'est un fouteur de merde. C'est un garçon. Faut toujours qu'il se mêle de ce qu'il regarde pas. Puis t'as une flèche dans ton cœur. Comme ça. Hop. Hop. Puis retire une flèche pour détruire ce truc. En fait, c'est un sanctuaire, hein, mais on n'a pas le cœur. Ouais. Voilà. Il faut quoi, Finou? Bon, j'en sais rien. Moi, je sais pas. Je suis pas avec. Ah, bah, je sais pas. Hein. Il a dit qu'il nous cache des choses. Non, non, il a dit qu'il viendrait. Peut-être qu'il ment. Remets-moi la lettre. Putain, je vais devoir rebattre le trousson d'arbre là. J'ai pas réussi à avoir son loot. Bah, moi, du coup, j'ai été chercher. Et j'ai pris les jambières pour le danseur. En fait, bah. J'ai acheté le craft. C'est mieux, les stats. T'as tous foutu la tenue du purgatoire. Ouais. Non. Non. Regarde mieux. Ah oui, il y en a trois qui en ont. Ce que j'ai eu. Je n'ai que la tête et le pantalon. Moi j'ai rien du et tout. Le torse. Non, je n'ai pas le torse. Non, le torse, non. Pas le torse. Pas le torse. Le torse de pénombre. C'est le torse de pénombre, tout à fait. Mais c'est celui des mémos. Elle s'est mise en mode toute bling bling. Il faudra dire à Swan, c'était pas les chevaliers du Zodiac ou ça. Je lui ai dit, c'était des. Elle a voulu faire en mode de DS un peu. Voilà, et moi, voilà, je voulais voir un peu de rêve. C'est pas le thème. Je voulais faire un rêve, une rêve aux chevaliers du Poisson. Ouais, là, t'es pas dans le thème. Hein. Je suis pas dans le thème.
Il y a plus de démons que d'anges quand même. C'est plus simple à faire. Pas forcément plus simple, franchement. Ah ouais, je suis dit, avec le stuff d'Eden, tu peux faire un truc un peu angélique. T'as les Eden, t'as les Red 60, les 50 aussi pour faire des trucs. Mais c'est celui-ci d'habitude. Bah, j'aurais bien voulu Eden, mais le truc, c'est que vu que tu peux pas mettre de chapeau. Bah, pour les îles, c'est pas un chapeau, hein, par exemple. Ça ouais, fait genre une couronne. Pour les îles. tant que si c'est une couronne, tu peux la mettre. Non, c'est un casque, c'est une armure intégrale, les temps. Vous parlez de quoi? Des tenues, parce que je disais que Swan, elle était pas dans le thème. Du coup, ça a dévié sur où est-ce qu'on peut former des tenues qui sont dans le thème. J'hésitais à venir en gros clown et je me suis dit, je crois qu'il y a quelqu'un, je sais pas qui a peur des clowns dans le mode, si on veut éviter de prendre la tenue de l'huile. J'aime pas les clowns, mais ça me fait rien. Tant que c'est dans la télé, tu vois, ça marche. J'ai dit démon, hein, pas film d'horreur. Hein. Ah, ouais, quand même, hein. Tu peux te ramener. Tu dis qu'il y avait du sang partout. Et puis, tu peux te ramener en tamano ou autre truc dans le genre. Jeep sous le clown, c'est pas forcément un démon. Hein. C'est plus une espèce de dieu ancien. Mais c'est assez bizarre, Jeep sous le clown, c'est pas un démon. Hein. Après, sinon, le thème démon est tellement. T'es une entité monstrueuse, polymorphe, machin bidule, mais c'est quoi cet animé? De quoi? Non, je viens de voir des parents se faire écraser. Pour le stand de ah, d'accord. La base. Ah oui, c'est technique, elle est bon. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure, Nox. De quoi, Alba? Elle est où ta carte? Ah, elle est où ma carte? La garde le mal de. Juste à côté de. Putain, mais vous êtes de Nemo, vous êtes tous à garde le mal. Et à l'angle. Je te confirme, hein. Nous, on a ta venir. Non, mais. Il y en a 4 à garde le mal, là. Une soirée rapide. On poste, là. Non. Made in Service. Non, il manque une heure encore. C'est bien le cas, hein. Il y a des scènes. Je sais que je vais le regarder, de toute façon, la nuit. Je crois qu'on a pointé la même. J'ai bien ouais, revu ce que j'ai vu, c'était bien atroce. Moi je me mute le temps que Chino arrive, je regarde une vidéo. Ah, je te mute. Oh, il va avoir une amende, finir. Ah oui, c'est bon, à votre avis, ça va avec les ailes ou pas? La tenue, vu que je vois que derrière. Ça fait un démon avec des ailes d'ange. Ça fait un ange déchu. C'est plus des ailes noires, un ange déchu. Il est un démon, hein. Réponse non. Hein? Non, c'est... C'est ça. Regarde, moi comme j'ai dit, j'ai plusieurs paires d'ailes. Regarde. J'ai 6 ailes. Oh, tu c'est un des. Ah, ouais, les ailes démoniaques, c'est beau, hein. Ah, ouais, hein, c'est les meilleurs. Je vous ai dit ça. Je n'ai pas encore ces ailes, donc moi je profite de mes ailes. Ah, bah, tu dois pouvoir les acheter. Tu peux les acheter à. Tu dois en avoir assez, ça puis tu peux pas y cacher mon plus. Non. Ah, parce que j'en avais beaucoup utilisé pour autre chose. Là il y a la monture que tu peux acheter. C'était Folé, c'est les Chiekou, c'est C'est en guille. Vieille Charlagnan. Oh. Benji de la chasse. Ah, c'est des chasses. Ouh. Ah, il est pile poil à l'heure. Mais est-ce qu'il est sur le serveur? Je suis pas encore sur le serveur, il faut que je passe par un serveur avant. Mais j'étais toujours en jeu. Ah, t'es à la bourre d'une minute. T'as 1 million. Non, c'est bon, il est arrivé pile poil. Demander les millions à mon mari, ouais.
Oh, on peut dire tous les gains de la soirée. Hein. Alors, faut que je vérifie que j'ai assez de cartes sur moi. J'en ai une d'ouverte, j'en ai une dans ma sacoche. On a dans ta boîte aux lettres, pour Pierre, si t'as besoin. Oui, mais c'était savoir ce que j'avais sur moi, sur moi. Ah, t'as vu, You, t'es un convié à un mariage dimanche ? Oui, oui, j'ai vu, à 3h. Ouais. Moi, j'ai ce sera suffisant, je récupérerai la troisième. Envoyez l'invitation. Je l'ai envoyé, Maya. Ah, est-ce que t'avais de la place ? C'était blindé ? Faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir parce que comme j'avais été blindé, faut voir si je... Ah, je viens de le recevoir. Il est là. Nox. Ouais. Dimanche. Mais en fait, c'est un mariage arrangé, purement protocolaire. C'est juste pour un TP, quoi. Pour un TP gratuit. Ça, j'en sais rien. Qui sera lui? Pour l'instant, dans la CL, le mariage qui a duré le plus longtemps, c'est celui de Maya et moi-même. mois de mars, ça fera 2 ans. Ah, déjà hein. Oh, do. Mais Nox et moi, on a conclu qu'on c'était un mariage libre, hein, écoute, hein. C'est juste le mariage des meilleurs amis là qui sont désespérés. Oui. Ils disent comme dans les séries, ah si on trouve personne, va sur ça. On se marie à telle date. Genre dans Wake in the Mother, qui dit à Robin, si quand on a 40 ans on est avec personne, on se marie. Fino, et où ta carte? Moi, c'est quoi ça? Me dis pas de mal. Si, je l'ai, une seconde. C'est quoi ce top 1 pour moi, je roule? Tu m'as tué. Ah, je me suis tombé. Bah voilà, t'as un ami. Ne pleure pas. Mais j'ai le droit de pleurer. J'en suis pleure, alors. C'est genre que je fais les couilles cachées. J'ai ma gencive du haut qui a enflammé et tout. Ouais, je pleure bien, là. Je suis quasiment proche de fermer ma mâchoire. Bah elle est... Donc c'est pour ça que j'ai mal au crâne depuis quelques jours en fait. Donc il y en a beaucoup des anges. Il ah, y a deux. Il y a deux et il y a Swan qui s'est fait un Senseiya. Mais à Girl Man. J'ai failli venir en Senseiya aussi, mais je me suis dit ça fait plus divinité que ange donc ça passe. Ah mais il y en a pas dans le thème, il y en a pas en avoir deux. Hein. C'est ce que j'ai dit à Swan. Allez Girl Man, j'ai encore connu. Allez Girl Man, allons voir la Girl Man. Au pire, j'utilise la. On est à côté ou pas? Bah, je crois qu'on est à côté. Oui. On va en premier à qui? Nox. Nox. Ah, ok. C'est la règle. C'est pas... À moins que quelqu'un soit sur la route. Elle est où ta carte, Nox? La mienne est plus proche, elle est juste à l'angle... à gauche de l'éthérite, à droite de l'éthérite. Bah, dans l'angle de l'éthérite. Aller sur la route. Ouais, parce que la mienne, c'est... la règle. Non, en fait. Je ne peux pas me soustraire à la règle. Désolé, Nox. La règle prédomine. À gauche, tu es sur la route. C'est ça, Teddy. Ah, hop, on aborde. Ah, lui. Ah, lui, c'est un nouveau que je voyais. Yep, c'est moi qui ai gagné. Ah, vous allez là-bas. Ah, c'est un autre groupe. Ah, c'est bien vous, la grosse baleine. Bah, c'est où c'est... Ah. Voilà. Oh, c'est dessous le méchant. C'est. Ah. C'est moi. Alors attends, je me booste la gueule. Je comprends pas celle de... On allait sur non. Quelle carte, là? Ah ouais, moi j'allais sur celle de Nox. Parce que Nox, il a dit la mienne, mais... Bah ouais, j'ai suivi celle de Nox. Ouais, mais j'ai dit qu'il y en a une sur la route, Ah, ok. Moi, je suis en train de choisir ma montre. Ah, Pinou, t'as réussi à tomber l'autre chevelu? Non, on n'a pas réussi. Ah, non, mais la chevelu. On y est retourné. On y a fait hier, mais. Oh, les plus.
Oh, ah, d'ailleurs, attends, Alba, t'as bien fait de parler de cheveux. Du coup, j'avais raison sur la coupe de cheveux de WoW là. Hein. pas de WoW de Temis. On y va ? Ça fait un an qu'on se parle. Pourquoi tu me parles ? Non, je parle à Fini. Ah, sur la coupe de cheveux, que c'est pas de, que c'est pas WoW, ni Nia, bah au final, c'était bien WoW, Temis. T'avais raison. Oui, mais ça, j'ai jamais dit que c'était pas Wall. J'ai juste dit que c'était pas la coupe de cheveux qui représentait. Ouais. De toute façon, on sait que c'est Deepus, Temis. Bah, maintenant, dans la confirmation. Mais du coup, oui, ça a jamais été ça le cœur du débat. Mais dis-toi que vous, vous savez, depuis la fin du mois de cœur, on a reconnu. Vous êtes parti sur les coupes de cheveux, je t'avais dit que c'est la même type de coupe ou c'est la coupe de Wall et toi, c'est en mode meilleur. Non, j'ai juste dit. Première carte, premier portail. Le caramel. Est-ce que ton nom de famille c'est Ar? Là. C'est un mise en avant de la divinité elle-même, donc. Mais donc, oui, non, le débat c'était autour du fait qu'il y a une coupe qui fait beaucoup plus Wall chez les Vera. Ouais, bien sûr. Ouais, mais... C'est un débat stérile, ça. Oh ouais, oh oui, bah, ça va mener à rien, quoi. Avec c'est comme le fond de la reine. Ah, d'accord. On va plus aller le voir afin qu'on devra lui parler. Je vais faire exprès de faire une rota de merde sans prochaine. Ah, c'est pas déjà le cas. Parce que je suis le seul qui l'ait déjà passé avec les chiens. Mais ouais, c'est mieux pour prendre des conneries avec un groupe full hein, pour l'instant. Ah oui, non, mais clairement. On parlait de ça. Je n'en peux plus des PU. Entre les îles et les temps, tu prends n'importe quoi là. Selon l'heure à laquelle on termine. Bref, tu vois vite. Je vais faire un petit tour. Je te dis, le PU. On en fait beaucoup, moi, mais. Je suis à combien? Ah, je suis à 70 totems, bonjour. Là, c'est pire. Hein. Là, c'est pire. Barbarie de chasse, c'est ignoble. Elle est punitive, elle est extrêmement punitive. Hein. Parce qu'après, le combat, il est simplissime à stress. C'est juste que oui. Pas par rapport à mes payons, tu te reposes. Hein. Ah, mais clairement. Hein. Une fois que tu as la technique en tête, ça va, elle est simple. Ah mais c'est comme si ça va chez les gars. On le prend en baladeur, le heal qui avait de chair. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est décoration en forme de bonbon. C'est quoi? Celui qui avait le chair, qui devait se fiancer, il savait pas où se placer, il l'a pris tout seul le chair. Il est mort. Il savait faire moins. Oui, j'ai vu les nouveaux Pokémon hier. Pour le moment, ça me dit encore rien. LOL. Bah, t'es mort en plus, c'est ce hier, hein, t'avais l'autre tank qui faisait n'importe quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais c'était. LOL. Alors, on y va, on est déjà terminé, on est plus vers la fin de l'avoir tombé et on meurt moins que les gens qui sont censés l'avoir terminé. Prends le palais aussi, t'es le premier. Direct. Oh bah, ouais, voilà. J'en veux pas perso. Moi non plus. Sur un, au moins. Bah je sais pas combien ça vaut donc j'ai envie de te dire en même temps. Bah garde-les. Non mais je croyais que comme les gens. Je regarde et ça vaut rien, je te le passe. C'est non mais les autres ils disent ça mais c'est pas leur carte donc. Parce qu'en fait je pensais que j'avais raté un début de phrase où tu disais quelqu'un en jeu. Non, non. C'est pour ça. Non, j'ai dit que je connaissais pas le prix donc. ça veut pas dire qu'il faut prendre, ça veut dire qu'il faut que j'en garde le prix. Ouais, tu peux t'en occuper pour s'il y a quelqu'un qui m'explique. Oui, qui prend pas au pire des cas. Oh, t'inquiète pas, c'était tu vas comprendre. Elle peut juste rejoindre la table. Elle a des doigts, elle a décroché. C'est écrit c'est comme des offres. Oui, non, si ça vaut beaucoup, tu gardes. D'entrée de jeu, y'a de la chance. Bah, t'as 100, on va prendre une jeu de. Ils ont on passé pas un pacte avec le diable. Ils ont des cornes maintenant. Regarde, c'est plus une divinité, mais avec Kino, regarde, on est des anges. En plus, on est danseurs. Je suis sûr qu'on a quasiment le même skin en fait. Mais grave quoi. Oh. Moi, j'ai failli faire pareil, mais après, vu que je vais faire un. J'ai déjà ma femme en danse, j'ai bien dû faire des.
Après, tu seras de l'angélique, vous avez beaucoup de stuff dans l'Eden. Ah, j'avais des idées d'Eden, c'est juste en torche pour que tu l'aimes. C'est pas l'Eden. Moi, je vais juste. Non, des Zen. Ah oui, parce qu'après, on tombe en grâce. Pas en grâce. Ouais, demain, j'allais prendre le skin démon que tu trouves dans... sur le store. Et après, il y a torse notamment en heal, par exemple, t'as ça. Ça, c'est en caster. Ouais, ouais, je l'ai. Je l'ai. Ah, mais là, tu peux le teindre si tu fais le savage. Ah, oui, mais il peut faire savage. On peut peut-être aller les faire après maman. Ouais. Oh bah celui-là c'est Shiva, que... mais... bon courage. Oh bah déjà on va faire Titan. Titan est plus chaud à passer. Ouais mais ça va permettre d'entraîner les gens pour ce qui les attend sur Météion de la barre de tir. Il a dit ah. Autant dire que sur Barbaricia, ça va être dur de vous dire de vous placer à tel endroit. Il va falloir. Bah, tu peux faire les pompes sur Barbaricia. Ouais. Tu peux coller Inea ou t'es les. Oui, mais. Quand on fait les plateaux, déjà, on fait très peu de call. Hein. Ouais, ouais, j'avoue, on est plus en train de dire. Ah, c'est bon, moi, ça vous incite à. Après, nous, on a l'habitude de jouer sans call. Et hier, on n'arrêtait pas de dire des conneries. Attends, attends, j'ouvre ma carte. Bah, moi aussi, d'abord. Regardez, tu me dis juste l'endroit, pas besoin. Garde le mal. C'est un endroit que je rigole. Non, elle est de l'autre côté de la ville. Ah, il y avait quoi ici. Ah, ça va fun parce qu'après on a aussi. Elle est là. Elle me fait froid. Sur le petit parterre de fleurs où on va tout le temps. Ça, c'est vers l'Aqueduc. Ah, j'arrive bien à jouer sans call qu'avec des calls, je pense. C'est perturbant. En fait, c'est mieux de jouer sans call et que. T'apprennes. Non, ah, moi, en fait, ce que j'aimerais bien quand il y a des calls, c'est qu'ils sont assez tôt. Hein ? Un dit tactique. Bah, moi, hier, il y a un moment où j'ai entendu les calls de Alba, je me suis... de NK, je me suis dit, c'est pas là. Si on va y aller parce que c'était le bruit et puis c'était pas un oh, moi je pense surtout, tu sais, en fait, au call pour savoir quand les bah, je te dis après, tu m'as dit que nous on doit s'adapter et qu'à chaque fois ils nous les call à la dernière minute. Je l'ai dit une fois gentiment, mais faudrait que j'en discute en off, en live, et c'est débile de faire ça. Bah, en fait, ouais, bah je suis passé devant tout à l'heure. C'est un rare, donc je veux pas. Si, c'est un rare ça. Ah non, c'est un rang B. C'est un rang chasse. C'est un baron. On le tue. Bah, on le tue, ça fait des points, non ? Ah, ça, non, ça c'est un rat, vous le tuez pas du pèlerin. Oui, c'est ça, autant pour moi là. Celui-là déjà, il va vous geler parce que vous aurez oublié la moitié, vous allez prendre OS. Oh, ok. Il est pas gentil celui-là. Bon. Oui, il est gentil. On pas à 8. Bah, qui reste chez lui alors ? Par rapport à ce que tu dis. J'ai déjà vu les trucs, ouais, notamment en plus pour toi qui est en effet en caster et un caster avec des casques. c'est notamment un peu chiant de devoir attendre la dernière seconde. C'est pour ça que je faisais les calls. Bah, ouais. Le truc, c'est ce que je dis, c'est qu'en gros, si tu mets 1 et 2 au nord, enfin 1 et 4 côté gauche, donc c'est 1 et 4 à gauche, c'est le côté île pour leur chair. Et nous, on est côté droite, donc en 2 et 3 pour les chairs. Ouais. En fait, du coup, dans la logique, il faut garder ça. En fait, tu priorises ton côté, et les ton eux, c'est. Enfin, nous, par exemple, c'est 2 et 3. S'il y en a un ou deux, on prend. Si c'est pas en 2 que c'est en 3, et si c'est même 304, c'est rotatif en fait les positions. Et en fait, genre, même que plus simple terme. Parce que rotatif ça peut les perdre, présente leur non, mais c'est à toi que je sais que ça c'est pas eux. Ouais. Mais en gros, c'est soit tu prends ton côté l'un ou l'autre, si ça pop, effectivement. Et si t'as les deux en même temps, ce qui peut arriver parce que t'as deux patterns différents avec les 4 puddles, parce que c'est soit effectivement en espèce de truc incurvé où tu peux avoir les deux de ton côté. À ce moment-là, tu prends ton premier chiffre. Nous, on aurait pris 2 et nous, ils auraient pris 1, tu vois. Je trouve que tu te compliques la vie parce bah non, mais c'est ce qui se passe. Non, mais pour l'explication. Pour l'explication, oui, non, pour l'explication, tu compliques je la vie comme parce ça, que. Mais... Pour l'explication, c'est simple. C'est eux, ils prennent la gauche, nous, la droite. Et quand tout est du même côté, eux, ils prennent le nord et nous, le sud. Point. Bah, pas forcément, parce que ça dépend. Parce que s'ils prennent le nord, on est tous le deux.
C'est-à-dire qu'il faut aller décaisser les trucs. Par où peut, mais. Ah, golem et puis lapin. Oui, bah, c'est la parce que c'est ce qu'on a fait sous les trails. C'est ce qu'on a fait sous les trails, hein, à chaque fois. On prenait le. Quand on avait le même côté. On prenait le. Soit je faisais un call, j'étais obligé de me barrer. Soit j'étais déjà précautionné, elle me voyait, parce qu'elle était sur moi, elle était là. C'était ouais. Juste random, hein, c'est pas comme les trucs. Mais ouais, en PF, c'est tu prends tes coups de ton côté, quand il n'y a pas, tu prends le premier nombre de ton côté, ce qui est plus logique. Ça, ça permet d'anticiper et de ne pas avoir à faire les casques. Mmh. Il paraît que ça. Ah, je me demande bien pas je où crois c'est... Que c'est par là. Moi aussi, moi je crois que c'était de l'autre côté. Non, mais... Ça va pas le masculer des points. Z-Tactique, je sais pas si t'as vu, je l'ai partagé sur ça là, je crois. Tu peux, si t'as Micromania pendant le château, tu peux y arriver. Oui, j'ai vu passer. Faudra que j'aille voir. De toute façon, jusqu'à la fin du mois, j'irai avoir fait du match. Moi, je vais y aller demain. Moi aussi, je vais demain. Je leur demande au passage s'ils ont toujours pas, s'ils ont pas une PS5. Mais je crois qu'il y en aura pas. Qu'est-ce que c'est sous le bureau? Oui, ils vont le dire, si. Et du coup, chez nous, PS5, en gros, on a vu le gros des mechas, donc après, tout ce oui, genre, moi, je après, le trouve, après la DOS, entre guillemets. Je le trouve facile à se faire, hein. Il est facile à se faire de prendre les mechas. C'est ça, j'attends juste que les autres, ils apprennent à finir par le faire, hein. Ouais, mais ce que je te disais, c'est que PS5, en fait, moi, par exemple, j'avais du mal avec la mecha, donc tu dois compter l'air 2-3-4 carré, plutôt pas. Et ça allait. Et les jumps, une fois que t'as compris le pattern, effectivement, ça va. Mais par contre, c'est le 6, on va voir, je pense. Parce que le 6, à force, je le connais sur le bout des doigts à la seconde près, en fait. Tellement je le tape 5-10 heures par jour. Et mais en PF, ça ne passe jamais, même dans des kills type PF, les gens font de la merde. Donc en roster, ça va être très drôle, justement. Un 2, je dis un 3 ou 4. 4 fois là. De toute façon, il y a quoi? Il y a que des sous. Les potions, combien? Les 30 ou les 5 ou 4 ou les 5. Ah, les potions, c'est bien pour faire les potions de reste. Il faudrait finir ce chiffre. Je m'arrête là parce que moi, ouais. C'est bien les potions de reste. Déjà, 20k, c'est pas mal. Hein. Ah, je vais sûrement prendre le violet aussi. Je sais pas encore lequel je vais prendre. Ah, mais tout le monde va prendre le violet et moi je vais prendre le. Non, moi je vais prendre le rouge, je pense, mais j'attends le rouge officiellement. Ah oui, le prochain Pokémon. Moi j'attends de voir qu'est-ce qu'il y aura d'exclusif dans chacun. Bah, les Pokémon. Moi, les légendaires, mais je doute bien, je demande quel Pokémon exclusif il y aura dedans. C'était montré hier. Non, mais il n'y a pas que ceux qu'ils ont montré, il y en a plein spécifiques. Si tu regardes les leaks, ils sont sortis plein. Pour le moins, il y a les envers. Purée. Parce que t'as des exclus dans les DLC. Nox, la prochaine. C'est ça, je préfère avoir la liste complète juste avant qu'ils sortent. Et bah, fais-moi y penser tout à l'heure, la liste, je te la suis. Ils ont déjà un DLC. Il y a un DLC qui est prévu parce que t'as des Pokémon exclusifs dans. Allez, où, Nox? Je suis pas entendu. Pas dans le DLC, mais par rapport à ton. À ton, ta version, je veux dire. Ah, bah, retourne tout là-haut. Mais ouais, du coup, je sais plus s'ils avaient montré les. Non, j'avais dit un truc, mais ils ont pas encore teasé. J'avais été la vidéo. Bah, si! Parce qu'ils ont montré les deux Pokémon, la violet et rouge, espèce de samouraï chou, dans la dernière, le dernier teaser. Oui, j'imagine évidemment que violet, il sera dans le violet. C'est ça, t'as des. En fait, c'est ce qu'ils montrent vite fait dedans, et je crois qu'ils l'ont expliqué sur le. Quand tu as sur le site de Pokémon, parce que j'avais vu ta fille, donc une vidéo dessus, mais j'ai pas encore regardé. Ou en gros, t'as des formes du passé, des formes du futur, du coup, qui sont en rapport avec ta version. Ouais. Et donc, t'as certains Pokémon qui sont exclusifs en forme du passé, la version rouge, d'autres futur, donc en violet. Et t'as certains Pokémon qui ont une version dans chacun des deux jeux, en fait. D'accord. Mais après, en plus, même au-delà des
au-delà des nouveaux Pokémon, c'est aussi par rapport aux même anciens dans les Pokémon. Anciens, les anciens, t'as des nouvelles formes justement, anciennes et... et en futur. Bon, ça, je te dis la liste, je l'ai si tu veux, si t'as pas peur de te faire liquer. Non, pour les Pokémon, j'en ai un peu rien à foutre de me faire liquer. Bah, moi, j'ai un autre truc que je peux faire voir avant. Tu me spoil l'histoire, je ça prend pas la peine à se libérer. Ouais, Pokémon. Ouais, licence de Pokémon, c'est tout que j'ai peur de me spoil. De quoi, Maya, en t'entendant de moi? Mais après, le problème, c'est qu'il pleut. Franchement, vous mettez le calme. Même la reine d'Angleterre. On se calme. Ah, officiellement, elle est dans 10 jours. Hein. Ah non, encore une suggestion. Et t'inquiète pas, de toute manière, il était pas question de spoiler en vocal, c'était par rapport à la question de s'il pouvait me spoiler en privé. Bah, je te disais, Nox, t'as regardé les trailers ou même ça, tu regardes pas? Bah non, je me rends sur le jeu. Mais genre le trailer commercial qui est sorti il y a 2-3 jours, ça te regarde? Ouais, mais moi j'aimerais bien voir leur évolution au starter. Les évolutions, évolutions ils auront pas avant la suite. Ça fait deux. Je pense que pour une fois, je vais me rabattre sur le. Ah, moi, j'aime trop le petit feu. Le chef du feu. Moi, j'aime bien le petit coco. Pareil, j'adore. C'est rigolo, le français. Ouais, mais. Et les trois, c'est une évolution, ça. Je sais pas à quoi ressemblent ces évolutions. Mais les évolutions, il n'y a eu aucun. Non, elles n'ont pas été leaks. Justement, c'est un des rares trucs qui n'a pas été spoil par les leakers. Et justement, t'as plein de fakes dans tous les sens. C'est pareil. Mais elles n'ont pas du tout été leaks. On sait vaguement à quoi elles ressemblent en termes de leaks. C'est un peu de base, tu vois. Mais en dehors de ça, on a aucun. À part leur double kick. Ça, on connaît. Ah ouais? Enfin, tu connais quand t'as vu les leaks. Les types sont intéressants. Mais j'avoue que moi j'ai tellement du mal à me décider parce que il y a des trucs que j'aime trop dans les deux versions. À la base, moi, je voulais prendre la version la... rouge. La orange. Ouais, et moi je la trouvais stylée un peu pour le côté beaucoup plus primitif. J'aimais beaucoup mieux le Pokémon légendaire de cette version, ainsi de suite. Puis ensuite, je les ai vus en forme moto et je me suis dit, finalement, la version du futur elle est pas mal. Hein. Ah, quelque chose, ça est sympa quand elle vole. Oui, puis surtout elle roule, elle. Elle roule. Ouais, ah grave. C'est une volée. C'est delta plane. C'est un beau. Et puis j'ai l'air d'avoir un Pokémon qui avait une forme selon la version. C'est le légendaire, mais ça. Alors niveau lac, c'est niveau portail, ça passe. Mais sinon, on n'a pas encore été plus loin que la porte 3. Mais ça va. Il y a plein de routes 34 dessus. Pour le coup, je trouve la nana la plus stylée pourtant. Pour eux, ouais. Il m'a matrixé par contre. Ah oui, il a un fruit de DSM. Il a un fruit en épine. Mais ça va être bon, non? Ah mon dieu, j'avais vu les noms anglais, je vais être tenté de les déguster. Moi, ce qui m'avait fait tellement rire, c'est quand ils avaient montré le champion de type glace ou eau, je sais plus, et que t'avais tout le monde qui bavait dessus. Et en fait, genre, non, mais en fait, les gars, c'est pas une bonne. Non, c'est pas un homme. C'est un mec, dans la description, il est présenté comme personnage masculin. Ah, masculin, moi j'avais. Oh, mince.
quoi ah, j'avais cru comprendre que c'était un verso non binaire à la base. Ils ont dû mettre il a fait montrer des champions d'arène. Ah merde, j'ai pas vu. Moi je sais pas vu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, pour non moment, il y en a que, bah... il y en a que deux. Bon. Okay. T'avais le glace, effectivement, quand il était tué là. C'était l'heure et là le front. Voilà. On était tués dans l'ordre. Et puis, ah, j'ai eu peur. Désolé, c'est mon pas technique. Le glace, t'avais un même sur le cœur dessus. T'avais un même où t'avais le château petit glace avec la main devant. J'ai arrêté mon phénix. Je l'ai pas vu parce que je pense que je devais être pas sur un net. Ouais, bah en gros, t'as la fork officielle. T'as la fork officielle avec la main devant le. On est à 100k. Le comment s'appelle déjà comme tu l'as vu en jeu. Et, ouais. Et t'as les gens qui ont roté avec en mode le champion qui pèse sur l'écharpe et tu vois la grosse barbe. C'était le jour où j'étais pas là. Mais du coup ça avait fait polémique sur internet. Oui parce que les gens sont en réaction. Est-ce qu'il y a les cheveux longs et les yeux bleus? Ils se faire foutre en fait. c'est un tel sexe. On a bien eu le champion type fait casse-couille as fuck là la fois d'avant. Comment il s'appelait l'antagoniste? Je sais juste qu'il s'appelle BD en anglais. Ta prochaine carte, Swan. Mec hétéro Skaway, c'est pareil. Hein. Déjà, ouais, il arrive aussi. Ça venait, hein. Oui, ça venait. Oh, ça va. Les anges, ça se balade en voiture de luxe. Ben voilà. Ouais. Tu crois que ça paye le paradis? Je me rappelle. Il y a la mienne qui arrive de l'autre côté de la ville. En fait, je devrais sortir la manche de l'île. Ah, faut que je remonte trop haut. Voilà, c'est possible. Non, ça c'est Tavenir. De toute façon, il y a des chances qu'on ait Tavenir juste à. Ok. Ouais, attends. Ouais. Ah bah oui, maintenant. C'est le bâtiment là. Ah ouais, je suis en train de suivre. Bah moi je te suis hein. Bah moi je sais pas, je déambule en fait. Par contre en vrai je pense pas le prendre Daemon. Ah c'est aussi ou c'est pas sûr. Ouais, si j'arrive, il faudrait que j'arrive à me motiver à finir épée et bouclier avant. Ouais, pas mal. Ah tu l'as... Tu l'as pas terminé diamant. Non, je me suis arrêté devant la ligue. Et l'autre. Ah bon? Attends, c'est pas exactement là. Oh, moi je l'ai détruit. Le pire, c'est que je fais partie des gens qui l'aiment bien, hein, épée et bouclier. Il est cool, l'épée. Mais non, je l'ai pas fini. Je me suis arrêté devant la ligue parce que je voulais avoir une vraie team qui me plaise avant de faire la ligue. C'est ça. Exactement. Je joue le jeu avec un Pokémon. Pas sur Diamant et sur Arceus, je suis à 2-3 dodges pareil. Mais... Arceus, faut que je. Là où je suis, les gens. Faut que je complète Dex pour aller capturer Arceus. Moi, ma soeur l'a acheté, donc en vrai, je vais l'emprunter pour y jouer. Et accessoirement, si tu captures Arceus sur le jeu, après, tu peux. T'auras l'event spécial sur. Faire une et. Je suis pas sûr. Je vais terminer parce que Et let's go, en fait, c'était super simple parce que. Je suis désolé, mais ils ont sorti une bonne période. Let's go, c'était relativement simple en fait, parce que si t'avais la Pokéball plus, tu trimballais avec un de tes Pokémon et puis voilà. Et puis accessoirement, ça fait. Bah, moi, c'est ce que je faisais, hein. Je l'avais toute la journée avec moi, puis le soir, je rebranchais et puis hop. Et je gagnais plein de bonbons, et il augmentait en stats et tout, c'était. Et du coup, je me suis retrouvé avec un Dracove avec des stats complètement pétés. Hein. Ah non, moi j'avais pas la. Moi perso, j'avais pas envie de payer 50€ pour ça. Ah, mais ça marche aussi avec Pokémon Go. Je sais. Mais j'avais pas à l'époque, j'avais pas envie de payer.
Bah, moi j'ai fait mon. C'est très gadget. Dans la Pokéball là. De toute façon, tu l'as, t'as dû l'avoir chez moi, la truc, elle était sur une étagère. Je crois qu'il y a toujours le même métal à l'intérieur. Et mets le métal shiny, je crois. Mais... bah, sans doute le chat, moi. Et celui-là qui me plaît. Elle est franchement sympa. Ouais, je trouve. Oui, ils sont assez sympas, j'aime bien les en général, je prends toujours les feux. Hein. J'ai... Dans toutes les versions, je... que j'ai pu jouer, j'ai toujours pris des feux. Moi, tu plantes. Ouais, mais bon, peut-être que j'ai joué. Bah, après là, tu vois qu'il y a vraiment un, il y a vraiment un rapport entre les bestioles qui ont été choisies pour faire des starters et. La bonne question. Perso, je vais attendre le jour de la sortie pour choisir mon starter. J'ai pas de starter en vue. Ah, les autres, on ne les a pas. Hein. Moi, je crois que 90%. Je crois que 90% des Pokémon starter que j'ai choisi, c'est toujours le type eau à chaque fois. Moi, ça dépend. Moi, c'est que mon soleil. C'est plante. Ultra soleil, ultra lune, j'avais pris le type eau parce que le double type fée. Oui. Ah non, pas bien. Parce que j'ai mis bien ninja. Il y a que sur XY où j'ai pris le type eau. Ah, c'est mon shiny, j'ai appuyé comme une code. Passé, j'ai fait 99 et besoin. Il y a que 2 jeux que j'ai pas joué à base. J'ai compris, là, c'est 99. Ah, c'est rien, là, t'en fais même pas. J'ai pas joué à XY, j'ai pas joué à. J'ai joué à XY, j'ai fait comme. Je crois que j'ai perdu toute ma chance là sur Renus parce que j'ai mis son évolution, j'ai fait. Ah, ok. C'est sympa. De Dynamax, c'est tout. Je suis pas tombé sur rien. J'avais pris le. J'ai pas vu ni Vental ni Xerneas. J'avais pris le plante et j'avais une deuxième partie, donc j'avais la petite larme. Je suis tombé sur Zygarde et j'avoue que Zygarde dans les Red Dynamax, ça picote, hein, pour la magie. Surtout quand il passe en mode full power. Ouais, il a des moves complètement cassés. Tu vois, qu'il y a un petit dragon là sur le tournoi, et tu prends tout, et c'est. Non, mais je suis tombé avec des gens pas nommés. Ah, d'accord. Arrivé souvent. Ça va, je reteste avec toi. Je crois que j'en avais 34 seulement. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en a pas. J'avais Kyrre et Rayquaza qui avaient un grand enchaîné comme ça. Ah bah, Yous, ça t'intéresse. Hein. Faudrait déjà que j'avance. J'ai fait le nouveau cuir. Vas-y, il va se faire des couilles en or encore, j'en ai marre. J'étais sûr que ça allait faire un rôle de merde. J'étais sûr. Alors, faudrait que j'avance dans les Pokémon. Ah, t'as pas fini les pays bouclier ? Non, pas encore. Oh, oui, oh, bien joué. Ah, du coup, t'as pas débloqué les. Ah, j'aurais pas tenté ça. Bah, je l'ai recommencé donc. J'ai pas tenté jusqu'au bout, à mon avis. J'ai pas encore accès au raid. J'ai recommencé parce que j'avais acheté la version bouclier après. On va s'arrêter là, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Déjà, moi, c'est un peu. Ah non, trop pas, encore mieux. Quoi, c'est une belle une veste, mon mari. Je vous utilise la tenue. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Tu vas pouvoir se faire la tenue intégrale. Hein. Il s'appelle la tenue Al Capone. C'est la tenue Al Capone, ouais. Ouais, dans le temps, ils ont été le meilleur Pokémon. T'as du délire. Alors. Ça, t'as mis. À la redingote, je dis pas. Ah ouais, c'est vraiment le capone le truc. C'est le pantalon que t'aimais bien, toi. Les mocassins, ils sont bien, les gars. Le chapeau aussi, mais le reste, c'est. Le. Moi, j'aime bien. Sauf le pantalon. Et tout. Et les gants. Le chapeau. Bah, les gants, le chapeau, il est stylé. Ça va, tu peux le. Putain, le chapeau, ça n'existe pas, les chapeaux, voyons. Bah, si, il faut que les autres. Ah, tu peux avoir une capuche avec le bien.
Ouvre-toi la carte, s'il te plaît, sois gentil. Quand il y a le monde à dire, c'est que... Non, mais j'ai un Pokémon, si je peux avoir Bah merci la carte, j'étais en train de danser. Allez, quatrième salle. Alors si le jeu, vous pouvez nous indiquer la dernière. Bien, ça sera pour mes mariages hétéros en jeu. Ouais. Quoique, non, il y avait un autre mariage hétéro dans le jeu. Et du coup, t'as jamais été marié avec? Si, mais c'est compliqué. Il a abandonné son mari hier, il ne savait plus jamais. Swan a divorcé avec sa femme. Pourquoi je reste avec toi? Oh, l'ombre lente dentelle. Juste pour la force. Je sais pas quelle force prendre. J'ai juste la force. Ah ouais, là, je vous la vois, l'ombre lente dentelle. J'ai fait full gauche ou pas sur la run de cette? Oui, je crois. De toute façon, ce sera la droite, ça va venir gauche. C'est ça, c'est en gauche. S'il te plaît, le jeu, chanson de merde en savage. Moi j'ai passé. Ah, mais voulez-vous de rendre? C'était moi, pardon. De toute manière, l'ombrelle, elle vaut pas grand. Allez, allez. Non, mais c'était parce que sur ce jeu-là, on n'a pas le loot en fait. Oui, c'est bien maintenant. Non, mais voilà. C'est un peu tapé. C'est un peu tapé. J'ai eu des trucs un peu ensemble. La pire. Ta prochaine carte. Et après, selon ce que tu aimes. Ah bah non, c'était ta deuxième. On dit quoi? Bon bah t'as bien. Je regarde quand même. Ah non, non, mais on va attendre de toute façon. Ouais, mais je vous quand même, ça ferait une place, comme ça je prendrais un récord. De toute façon, tu rentres maintenant encore. Ça fait tous les jours. Bon, demain, on va aller faire du papa. À venir. Ça va encore me craver. Ouais, mais je la marque pas. Ouais, ça va pas dire quand même. Ouais, mais alors, bon, alors moi ma carte c'est Jack Ness, les portes des ténèbres, c'est par ici. Même je pense que Maria aussi elle est complètement hachée. Ah bah c'est honteux, bah même pas sur ma carte. On va même pas la faire même si j'ai eu. C'est la troisième, on fait la première, les règles. Ah mais je sais. Ah mais je blague parce que les trois sont trop au-dessus. Donc, je ne peux me soustraire aux règles que j'ai pas. Ah attends, je vais prendre mes... mes 4 tribales tant qu'à faire vu que je suis à côté. Tout le monde est là? J'aime. Allez hop. Je veux tester le healer. Tu vas retourner faire du monster en train de voir mais... Je sais pas. Ce week-end, tu retournes sur mon sang. Victoire, une co-full petit. Bah écoute, dès que j'ai terminé de payer Kali, je t'assure que je me le prends sur PC. C'est juste que là, je te cache pas, les traits sont assez élevés. J'ai pas encore eu les infos foncées, je trouve ça pas appliqué. Hein. Mais j'ai dit, peut-être pour Noël, je me le prends. Si je me le prends pas pour Noël, ça sera pour anniversaire. Donc, Et pour l'instant, j'ai avancé, mais moi, ça me fait chier du coup. Le jeu, je trouve vachement facile par rapport à moi. Ah ouais? Il y a une date ou toujours pas? Parce que ça a été repris à 2023. Il y a ici. Vous êtes sûr qu'il n'a pas été repoussé? J'avais compris ça. Ah, mais le mois d'octobre, novembre. Il est pas fait pour le porte-monnaie, hein, je te jure. Il y a E8 au mois de novembre qui sort sur PS5. Non, mais... voilà. Il y a God of War au mois de novembre, il y a Pokémon. Ils sortent le même jour. Ah oui. Oh, il y a Sonic aussi. Oh, bah ça, Sonic... Ah non, moi je l'achète. Monster Hunter, je le ferai peut-être, mais de mon côté. Enfin, je le sortirai en format épisode. Ah. Ah oui, un peu niveau 80, voilà, hop.
Oh, portail. Et ici. Il y a quoi en bonus de préco? Je J'ai beaucoup de kills de l'anniversaire. Le prochain jeu que je préco, c'est l'étape de You. Hein, comme ça, on peut alors rentrer dans le portail. C'est my bad. Pardon, encore une fois. Tibis, moi aussi, il y a aussi Valkyrie Elysium et puis il y a aussi Geophil Chronicle qui sort. Le prochain, c'est pas d'aller ça. Bah écoutez, t'as plus de payer, Swan, et puis ça se négocie. Moi ça va, je peux acheter 2-3 trucs. Sans déconner, moi je fais des économies, hein, Bah ouais. Bah, je dis à Swan, à me paye des factures et moi je lui paye son cadeau. Ah, et échange de bon procès. Ah, Gay Pride. Et puis, tu demandes à tes parents, toi, t'as pas vu que t'as acheté un PC il y a pas longtemps, tu peux offrir. Tu achètes Bayonetta pour son anniversaire, comme ça, hop. Je peux avoir le lancer de dés, s'il vous plaît? La dernière fois, il m'a porté bonheur. Le D20, il a dit 1. Oui. Oui, mais refais-le un tout coup. Voilà, il a dit 2. Moi, j'ai fait un D20, il a dit 1. C'est que c'est vraiment à gauche. Pourquoi tu fais à droite alors que le D, il a dit... Bah, celui de la taille, il a dit à gauche. Il a dit 2-2. Ouais, mais moi, c'est un D20, donc si le D20, il te dit 1, c'est que vraiment... Ouais, mais c'est le D de Swan, alors c'est qu'il est... Il contre tout. Et bah voilà. Moi je crois que Atta, tu vois. C'était l'autre gauche, il y avait plus. C'est la gauche du centre, oui. Voilà. Je n'ai pas la vérité absolue. Non mais sur le coup là, je te crois. Gay Pride! C'est la Gay Pride de ce soir! Je te promets, pourtant j'ai pas de luck! Hein. Voilà, ça c'est payé! Vous pouvez le prendre, hein. Les gens, oui, si vous... je cherche toujours des matériaux de vivacité. Hop. C'est de l'argent. Ouais, mais bon, là, en ce moment, voilà, je suis un petit peu blindé. Pas de célérité en échange. Non. Lancez des s'il vous plaît. Voilà. Alors, deux. Non. Ah ouais. Non, j'en voulais pas, Maya. Allez. Oui, pardon. Nouvelle salle. Nouvelle salle. Bouboule. Parce qu'il y a plusieurs condamnations en fait. Il n'y a pas les légendaires dedans, mais. Ah. Pour faire du setting avec le groupe que j'ai. Ouais. Qui... Du coup, dis-toi que sur la photo, ce que tu veux en rouge, c'est les formes bien voulu une moi. Tu vois en violet, c'est les formes du futur. Qu'ils soient squeezés, fâchés de garçon. D'accord, quoi, non, déjà c'est avoir le bon GCD, c'est-à-dire 1.1. C'est qu'il a une forme de chat. D'accord.
Après, ils n'ont pas été teasés officiellement, mais ça a été leak par les joueurs officiels. C'était au Japon notamment, qui n'ont utilisé pas plus. Du coup, pour ça, quand tu vois le go, je suis lancé dessus. Après, c'est mis à jour au fur et à mesure les matchs. Là, les deux Pokémon qui ont montré dans le dernier trailer hier, ils sont tous dans la guerre. Ils sont pas dedans. Ça, ça veut dire de la vous voyez bouger le jeu ou pas? Ah ouais, mais dans la version violette, il y a. Moi, je suis complètement. Je vois pas du tout bouger tout à l'heure. Ouais, tu disais sinon, dans la version violette. J'ai oublié son nom, mais le dragon Hydre. Oui, Dragon. Je l'aime tellement celui-là. Après, tu peux t'apporter du audio. Ah, ouais, voilà, j'ai bien une défaite. Moi, je me recouvre. Mouboule! C'est de l'arnaque, je demande d'être remboursé de la carte. Moi, enfin, ouais, je sais pas, à part Andrilette, en termes de ce qu'il avait déjà montré dans les trailers, sur le bébé, les autres. Avec Colofort, si possible. En cours de repos. Et celui que tu vois tout à droite, Finou, enfin les deux qui sont tout à droite, en haut et en bas, c'est ceux de DLC, qui sont exclusifs. Alors. On n'en pas dessus. Marie Lamento Room. Bon, ça, prochaine carte à Tevner. Paul Favol. Donc, Maya. Oh, on est juste à côté. En train de me recro. Il est parti où? Mais je suis pas parti, je parle depuis tout à l'heure, mais personne ne me répond. Du coup, je sais pas si vous m'entendez ou pas. Si, si, on t'entend, mais oui, ils t'ont juste ignoré. Tout à l'heure, j'avais un recours. Non, on t'entend pas. Et si, si, on l'entendait. Je l'ai entendu dire qu'il avait des problèmes de connexion, qu'il avait été déconnecté et tout ça. Moi, je l'ai pas entendu. Tout à l'heure, mais après, j'ai plus entendu. Attends, y'a tout le monde qui crie. Normal qu'on t'entende pas. Heureusement que demain, ça va être Ken. Ah bah déjà qu'on va être cassé. Demain, Zozo. Demain c'est Popo. Pour terminer, et puis après c'est... je croise les doigts, si on va assez vite, on ira peut-être faire du maman. Je sens que je vais pester quand on va aller faire maman parce que vu que le taux de drop d'amour. C'est le pire des quatre pour apprendre. Vu le nombre de fois que je l'ai vu tomber quand j'ai été fini avec 99 totems. J'ai pas arrêté de l'avoir. C'est mon tueur. Ah non mais j'étais déjà. Ah ouais, la seule fois où j'ai vu la monture de Barbara Schwab, c'est l'invocateur qui voulait pas. Qui voulait pas mettre debout, qui voulait péter la gueule. Non mais Barbara Schwab, je te dis, le meilleur moyen de la tomber sans prendre la tête, c'est d'y aller en full groupe en vocal. Ouais, ça dépend si ton groupe à la retour. Quoi. Ah, je l'ai toujours pas en tête. Je vais récupérer un Mazer, du groupe qu'on avait hier, d'entrée avec le groupe qu'on avait l'autre fois. Ah bah après quand tu en PF sur l'extrême, sur le solo, tu vois l'extrême, tu vois que le groupe, il y en a qui savent pas que de la merde, tu fais de barre et c'est réglé, hein, si les personnes ne voient pas les trucs. Ouais, mais tu vois, on était déjà... Ah, en extrême, quand je vois qu'au bout de 2-3 fois, tu vois clairement les gens qui connaissent pas du tout les mecs, je me barre, je vais faire pas de bizarre. Ah non, mais c'est la même. Mais en fait, ce qui est plus énervant en plus, c'est les gens qui font de la merde. Et qui donnent des... Mieux 17%... Ils osent parler en fait, c'est ça le pire, ouais. Ça après, ça dépend est-ce qu'ils comprennent qu'ils font des aéropas, tu vois. Parce que, genre, en Savage, nous on discute à chaque fois, c'est avant les runs. Mais c'est fini, c'est au moins on s'aperçoit qu'on a des économies. Je dis tactique. Ah oui, c'est véridique. On a eu un heal, il nous a dit nanana. Le gars, il vient pas se paquer avec les gens sur le pour le cher. Bah, vous laissez mourir. Ah non, mais là c'était une de ses erreurs! C'était la plus grosse! Il n'y avait pas que ça! Ah, vous prenez la tête pour rien, des gens comme ça, tu les BL, si tu montres personne, tu ne connais pas les BK avec les BK. Tu la piques ou tu la BL, c'est ça? Ah non, mais la personne, elle est pas oui, non, j'ai compris, mais ça n'empêche pas de la BL pour pas la refroidir.
pas te prendre la tête. Hein. Pour parler de chat, je m'attends d'avoir un meilleur stuff. Une fois que je serai vers 600, ouais, je retourne. Après, c'est le problème des soit les extrêmes ou les pièges. Les extrêmes, c'est que une fois que c'est sorti, ça donne une semaine, c'est compliqué pour faire des groupes. Enfin, c'est soit t'as des groupes de vraiment débutants qui veulent prendre, soit des groupes déjà terminés pour prendre, mais enfin, pour qui je veux dire, c'est fermé. Mais déjà, pas en connaissant pas les mécanes, normalement, ils font un peu de télé. Donc, moi, ça m'est arrivé la semaine, c'était quand il y a 3 jours, 2-3 jours, je sais plus, sur P6 Savage. On était en train de. Non, c'était hier matin, on était en train de le charger avec une scrimeuse, enfin, d'essayer de kill. Et là, t'en as un qui a des add-ons, etc., machin visible. Et qui dit en sous-entendu qu'il faut cacher telle personne du groupe, et on voyait très bien de toute façon la personne ne connaissait pas les mécaniques. Oh, elle est utilisée de farceur. Et non, il n'y a pas utilisé de farceur, il allait voir pour ça le fait dans le potentiel, et en fait, il lui a dit qu'il faut dégager. Et en fait, après le live, il lui a dit il nous a dit le mec avait donné 5, ça va être 5 minutes avant de rejoindre le test. Après, il ne pouvait pas avoir prendre le 6, tu vois. Ah putain, mais c'est n'importe. Et le mec est venu en kill partout. Je l'aurais signalé sans aucune vergogne. Ah, le mec est en kill partout, donc on voyait qu'il ne connaissait pas spécialement les mécaniques, tu vois, mais je l'avais dit à la RL, c'était peut-être pas une bonne idée, finalement, dans le match. Et, parce que ça se voyait quand il y avait un problème, mais pas on pensait pas qu'il t'avait tué 5 minutes avant et qu'il revient toute partie de toutes les gueules. Ça je te dis, il y a pire que les gens qui font des moyens ont bien des 6%. Il y a des gens qui sont très pas contents. Mais surtout que tu fais perdre partie de tu vois. Enfin, moi je sais que j'ai beau connaître les coups de machin, j'allais parler un peu. Mon île, elle est level 5. En fait, là, je suis en train de créer plein de trucs en fait pour l'augmenter parce qu'actuellement, là, je suis bloqué. Donc, faut que je passe level 6 ou level 7 histoire d'avoir accès à du nouveau contenu. Cela, mis à part de la récolte, je sais pas grand chose. Quoi. Des gens rigolos. Bon, vous pouvez lundi dans la ligne 0,2%. La LD1, il n'y a aucun d'autres détails qui a vu l'avancer. Bon, en vrai, je sais pas quel est le niveau de la GMD. J'ai haï les quelqu'un. Tout ça pour dire qu'on va bien rigoler. Parce que les mechas, c'est de la barbe à l'échappe qui s'en veut. C'est pareil, c'est très dynamique, t'as plein de mouvements un peu en mode danse à apprendre. C'est super intéressant comme fight, mais c'est pas de gros. Un peu fatigué aussi. Ah, y'a un mousse, je l'ai pas eu. Ah bah si, ah non, si je l'ai passé moi. Mais moi aussi, je l'ai pas. La Switch OLED Pokémon de... bof bof. C'est Maria, non c'est Pokémon. Ah, juste à droite. Bouboule! Ah, j'étais sur la gauche, j'étais à droite, j'ai fait de la gauche. Toi qui es pour la gauche, tu voulais aller à droite. Bah, j'ai tourné à l'envers, donc tout ça, j'ai dit ça à droite parce que ça devenait la gauche. Ah, mais non, ça va, les gars. Il y a qui de revenir dans le début. Tu peux les tolérer dans le bouquet de la main. Comment il n'y a pas tout ça dans le bas. Et toi, qu'est-ce que tu feras de ça? Tes potions et tes bouts, je peux les tolérer tout le monde. Tu n'as pas tout ça dans le bas. Ok, ça marche. On va perdre le poil. Poil, c'est tout. Ouais, voilà. Donc, quand on a vu, j'allais bien chercher le bout. Je bien parce que je suis regardé des trucs. Hein. Quand on va aller faire les montures, maintenant je vais activer le. Bah, surtout sur les trucs de haut niveau. Je vais activer le truc pour le mouchard parce que j'ai besoin de voir des trucs parce que pour voir si on peut aller plus haut. Il y a un gros DPS si tu veux. Ah tu le vois, t'as pas besoin de... Oui, oui, non, mais voir où c'est que ça patch. Ah, ouais. Oh. Parce qu'après, si tu voulais juste savoir en global, c'est
c'est pas non, j'ai besoin de voir. Ça va être des histoires de 5 ou de 10%. C'est que ça pêche pour que derrière la personne, si tu veux venir faire les trucs de plus haut level, bah va falloir que tu t'améliores. Parce que sinon, ça va pas être faisable. Ouais, c'est pas comme moi tout à l'heure avec mes 4 qui a fait 5. Et... Ah bah toi aussi, mais tu pourras pas. J'aimerais bien une photo. Avec les belles tenues. Oui, parce qu'à chaque fois, on a réussi à. Oh, il y en a 15, je crois que je l'ai. En plus, j'ai déjà le slogan. Si il est revenu stable, tu perds. Oui. Ah bah voilà. Non, je pense pas. La chimère. Oh, c'est celui-là qui fait des en pagaille. C'est la gargouille. Alors ça, franchement, chez Ita, on se le fait en groupe de 5 avec un seul heal. Ouais. Donc ça devrait passer. Voilà, Maya la fait chimère. À nous, c'est ça. On n'oublie pas de balancer ton indice dans mon compte. Ah bah je me suis inquiété, ça marche un peu que lui. De toute façon, vous avez deux danseurs, vous avez des amis. Bon, enfin, je vais pas la cliquer d'ailleurs. En vrai, c'est bon, on va pas. Alors je tue You. Alors là, je t'assure, je te démembre juste après. Oh. Elle est adorable. Oh, je sais. Quand soudain. Non. Maths. Ah, on peut pas sortir les ailes. Non, on peut pas les sortir, c'est dommage. C'est ça que de prendre une tenue directe avec des ailes. Mais répartissez-vous bien de chaque côté parce que. Attends, je cherche. Bah, les anges d'un côté, les diables de l'autre. Oh, on est que des diables. Ouais. Mais non, mais il va. Bah, faut faire un sur-feu, vous mettez blanc, ouais. Blanc. Moi je m'en fous, je reste là. Mais non mais non, on est tous les uns sur les autres. Enfin... Non, je me mets devant et puis voilà. Ah, le truc avec les mains. Attends. Faites une émeute. Le truc c'est une mat aussi comme ça. Non, c'est pas celle-là non plus. Peu parce que sinon tu vas te cacher partout. Tu cherches la pose avec les mains vides là. Non, je l'ai pas, elle est tombée. Ah, You est déjà en mode screen. Ouais. Et tout le monde, est-ce que tout le monde a fait une émote? Ouais, je suis en train. Oui. Hop, elle se fait bon. C'est bon? Ça y est, moi j'ai fait mon petit screen. Alors, ouais, c'est parti. On peut cacher combien de cadavres dans ce coffre? Encore du cuir! Ok. Alors, finis. On va voir comment je vais le figer. Vous avez pas dit mot,
tellement abusé l'iPhone 14. Il me reste juste une putain de plume et j'aurai l'aventure. Après, tu as la deuxième carte si t'arrives à l'eau. J'espère. Alors. Là, on est déjà plus de 3, on est presque à 350k. Je sais pas, je suis en pause de groupe. Voilà, ouais, c'est bon. Ton rôle. Hop. Moi j'ai passé, je crois, sinon j'ai pas l'attente. Moi j'ai passé normalement. Moi j'ai passé. Non, t'as pas passé les techniques. Ah bon? Je l'ai fait au début, il me semble. Non, elle avait pas lancé le butin. Ah bah il faut attendre. Et... J'attends vous passer, hein. Bah ouais, je suis en photo, je suis allé lancer avant. Je t'emmerde. Oh. Ah bah ben, je bloque le rôle, voilà Anna. Tu as oublié cordialement. Cordialement la direction. Voilà. Je suis en train d'essayer de prendre les cœurs de Swan dans la photo. Ah moi j'ai réussi à la choper. Ah bah la cœur. Je l'ai fauché. Ah quand on est beau. Voilà. En fait, elle a vu ce que j'ai mis dans le salon en caille. Donc c'est là qu'il faut que ça joue, moi, c'est ça. Oui. Poster la photo. On a 333K. Oui, il y a des aides qui vont parler TGS. Non. T'as chopé plus de thunes. Un peu. J'étais à zéro. Je suis presque à 350K. Ah oui, non, 300, ouais, t'as raison. Mais c'est quoi ce jeu de ces morts, là? C'est quoi ce jeu de ces morts? Je sais pas si vous en Mayotte, la prochaine. Non, mais disons que je suis sur Twitter, je descends, je vois quelqu'un que je suis qui a retweeté. Non, le qui a aimé un jeu débile. Mm-hmm. Enfin, c'est juste le tweet de quelqu'un qui dit. Bon, bah, allons sur Snap de Swan. Allez, c'est possible. C'est quoi ce jeu et. Ce jeu. Et le jeu en question, c'est quoi? Alors tenez-vous prêt, attention, j'ai prévu pour le stream, ça va être très difficile. C'est un jeu avec un vagin sur téléphone, hein, attention. T'as dit à minuit, ça a passé. Non, fou. j'ai prévenu. Bref, donc, l'appareil est féminin. Mm-hmm. Avec l'origine du monde. Tu dois donner des mouvements en fonction de la flèche. Ok. Ah jeu, jouer à des jeux bizarres. C'est un jeu japonais. Non, c'est pas japonais. Ça doit être français. Tu, sans dire de mal, tu vois, ce matin j'étais sur Amazon, tu vois, je regardais un petit peu les jeux Switch et je suis tombée sur un jeu assez bizarre aussi, dans le même style. Avec l'origine du monde et des assez. Ouais. Grosso modo, ouais, c'est pas le genre de jeu, tu vois, que faut faire, hein. Voilà. Désolé, ça te suffit, c'est vrai. C'est vrai que des fois sur Switch... C'est... Voilà quoi, c'est coquin, hein. Tu te dis sur Switch, c'est pour les enfants, tu vois, la console elle est pensée famille. Autant sur PlayStation, c'est un Kagura, c'est moi je préfère. Ça va encore ça, c'est soft. C'est une caractéristique. Attends de voir le personnage en tenue angélique qui joue avec les flingues, tu vas voir. Ouais. Bon bah... Les jeux ils ont l'air cool.
Même si, oui, oui, ils en ont fait un, t'as dit. Prochaine destination. Ultima, tu l'es. Il y a bien plusieurs. On est deux. Il y en a même plusieurs sur Switch, ce qui est incroyable. Ah, je vais parler avec toi. De toute façon, tous les TP sont moi. Là, pour moi. Mais on va chercher des cartes. Moi, il me reste ma deuxième carte. Je sais pas où en sont les autres. Ouh. Y'a pas si longtemps que ça. J'ai entendu parler d'un jeu qui s'appelle New Carnival. C'est un jeu yaoi. Mais je m'attendais pas à en prendre déjà plein les yeux des. C'est les mêmes. C'est trop rigolo le jeu. Attends, en plus, ça passait sur TikTok, wesh. Oui, oui. Et ça disait que ça arrêtait pas. Donc, du coup, à bout d'un moment, tu fais le curieux. Tu fais le curieux, tu fais le curieux. Non, mais à chaque scène, je te fais des vrais. Ça m'aurait étonné. Mais déjà tu lances le jeu, il y a une super bonne musique. C'est pas une blague, la musique elle est vraiment bien. L'opening est génial. C'est pas vraiment une blague. Viens, je vais péter ton lit. T'as la musique de SNK. Elle est drôle la musique. Oh, vous avez vu en Malaisie la censure sur SNK? Oui, j'ai vu. Ils sont habillés. Oh la vache. Oh, ça fait mal aux yeux. Oh, en fait ils sont tout le temps ils sont habillés. Ils sont habillés avec des pantalons à rayures assez molles. Ça va bizarre. Sarouel. Le titan féminin, le titan féminin, ils ont mis une robe. Et c'est ainsi que le vomi. Ah ouais, mais ça te sort. Ah ouais, non mais c'est ça te sort littéralement du truc. Le titan assaillant, ils l'ont mis, je crois qu'il est quand même torse nu, mais avec un pantalon à rayures. Ah, il fallait au moins lui mettre un pantalon. Mais où est le problème? Tu vois pas les... Il y a même pas de dangereux. Bah ouais. Oh non, j'ai pas dit. Est-ce que il était en train de récolter, il a changé de... Oh, et tout à l'heure c'était pareil, hein. J'étais en train de faire ma quête rivale, hein, et j'ai changé de vidéo. Ouais, moi j'en profiterai après ma carte après. Nous on a tellement de cartes à récolter. Ouais, j'avoue. On a du stock, hein. Nous c'est dans longtemps qu'on va les récolter. Hein. Ouais, on va récolter tous les jours et les revendre. C'est toujours des soutiens. Oh, on les garde. Oh! Attends, t'es plein, tu vois. Ouais, mais après, je sais que la dernière fois, j'avais plein de cartes avec Locus, je les ai revendues quand on a eu les copies du Vira, hein. Mais c'est surtout quand on les a toutes revendues. Ah, c'est vrai que c'est ma carte. Yep! J'ai mon site technique. Non, je pense qu'il est passé 22 heures. Oh non, mais je suis. Oh non! Quel jeu? Parce que bon. Je te cache pas que j'ai beaucoup de jeux dans ma liste. Quoi? Tu dors au travail? Ah, moi je suis une amie. Hein. C'est intolérable. You going to Prudomed. Ah putain, c'est ma carte! Oh, bah oui alors! Ah non, le jeu là je l'ai pas acheté hein. C'est juste en faisant des recherches pour regarder qu'est-ce qu'il y avait en jeu, je suis tombé dessus. C'est j'ai pas accès à mes serveurs en dehors de mon serveur. Ouais. Là, je vais mettre le lien sur C'est dommage, c'est eux qui c'est le jeu là. Bah vu que je m'en sers tous les 4 matins pour remelder mon stuff. Oh le lien. Chocobo, tu peux le voir maintenant. Ouais. Ah ouais, c'est ce que je fais, au moins t'es pas embêté principalement. Et mon chocobo en fait je préfère qu'il porte les matériaux dont je me sers tous les jours pour crafter. Tu vois King le genre de jeu quoi. Et le pire, c'est la description. Oula. Ça y est.
On a lancé un débat. Non, en fait, c'est un jeu normalement pour trouver l'amour. Enfin, tu dois aider les gens à trouver l'amour. Bah, tu peux le dire, c'est pas censuré. Vas-y, et fais bien la voix. Oh non, allez, attends. Bah, attends. Allez, vas-y. C'est marrant. Perky Little Things est l'histoire d'un chérubin qui voyage dans différents mondes et aide les gens à trouver l'amour. Explorez divers scénarios, placez les objets cachés aux bons endroits pour votre satisfaction coquine et détendez-vous à travers son niveau scandaleux. Oh putain! Mais on dirait Pierre Permer sur Arte quoi. On dirait King avec l'étoile de mer. Non, le. C'est pas fini, c'est pas fini. Chaque niveau offre des expériences uniques et différentes avec plus de 50 animations folles pour votre plaisir. Lancez-vous et voyez dans quel genre de plaisir vous voulez vous amuser. S'amuser. Eh, juste pour le délire, je pourrais l'acheter, tu vois. Vino, elle est où ta carte? Je l'ai posté un petit peu au-dessus. Non, je l'ai pas vu. En plus, il y a un arbre. Ah oui, ça va. C'est parfait, elle est proche des chilésiens. Jure, il y a un arbouk. Quoi? NSMW arbouk. Mais quoi? Il y a un arbouk sur ce jeu. Non, mais attends. C'était bien NSMW. C'est quoi? C'est un hentai? C'est un arbouk très pénible. Ouais, c'est hentai. Ah, c'est pas pire quand on était à Japan et on est tombé pipe. On est littéralement tombé sur le stand hentai, je te jure. Tu m'étonnes, Teddy. Évidemment, c'est un peu chaud. Ah, mais c'est pour ça qu'on a perdu Kota à un moment donné. Et qu'il est revenu avec un grand sourire. Oula. Bon, tu parles, c'est de la merde. Je suis sûr, tu dois trouver des streams dessus. Ah, maintenant il dit ça, regarde. On est en train de trouver. Ah oui, putain. Oh ouais, non. Ah non, mais là, par contre. Alors, ça me fait peur. Je cherchais juste un putain yaoi et puis je tombe là-dessus. Quoi donc, King? Un jeu Switch se nomme Hentai vs Evil. Et quand je parle de la. Ah ouais. Je sais pas, c'est quoi le jeu. Ah, c'est bon, c'est ma prochaine carte. Bon, François, on a un healer, il n'y a pas besoin de prendre. Ah, soit il faut aller à toute la culture. Hein. C'est là-bas où il y a des jeux. Il y a rien. Ça reste que. Ça reste que NPI est ici. J'avoue que à la FNAC, que ils vont se rendre. Bon, après, t'es tout en haut du rayon donc. Papa, tu peux me porter, je vais attraper ça. Il y a ce Switch qui fait Waifu and Covered. Ah, il y a un portail, hein, tu vas être forcé de venir. Je crois que j'ai le jeu qu'à. Je vais juste me mettre sur place pour les récolter. Ah putain, encore une gageure. J'ai le jeu qu'à planter, genre. Ah. Alors là, je suis tombé sur un jeu ce Switch. Alors. Le but c'est de vous habiller. Ah, ok. Akiba Strip, bien sûr. Non. Le machin s'appelle Waifu and Covered. Apprends Akiba Strip, c'est bien. Ah, on sent les connaisseurs. Hein. Attendez. C'est dans ma liste. Déshabillez vos alors cibles en faisant exploser toutes. Les vêtements infectés pour les sauver d'un redoutable virus inconnu. Alors, un jour, quelqu'un m'a demandé de platiner. Et le. Tu dis ça, j'ai l'impression de voir l'épisode du JDG quand il fait sur le jeu de Simulation Drive où c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Ça va aller. Je vais m'en passer des vidéos du jeu.
réduit le détail sur la dérive drive aussi là. Mais pourquoi on a dérivé là-dessus en fait? J'en sais rien. Sinon, c'est ça. Ah, il y a un XD. Je crois que tu as parlé de ton jeu mobile en fait. Voilà. J'ai une question aussi. C'est un carte de qui ici? C'est un carte de qui? Il faut attendre que Zitatic soit reco. Ouais, je suis en train de reco. Bah, j'ai le jeu qui a crash et ça m'a supprimé mon fond d'écran de l'ordi. Je sais pas pourquoi, en même temps, il y a eu un combo. J'ai une carte en pro de Combira, tu veux la destination Ah, j'ai la tête. Alba. Le 13ème reflet. Non, garde le malte. Putain, je suis content, on se. T'aurais pu troll en disant à la guérie ou à la gamine. Tu serais dit, mais merde, c'est une chose. Elle pisse. Ah, t'es Combira, direct. Ah, t'allais. Bon. Toi aussi, t'allais. Reconnexion. Bah, en fait, vu que. Vu que j'en ai récupéré une avec le carnet Chloé. Ah, t'es marre, en fait, en parlant de carnet Chloé. Ah non, j'avais pas le pas carte trésor. Moi non plus. Putain, on a raté que t'as gagné déjà là. C'est bon là, y'en a plus de voix. Un jour la connexion se fera. Un jour sa connexion prendra. Et bon. Il dira. Ah, voilà, qu'on dira. Ah, la voilà. Il dira et le coup il dira. Bon. Ouais, c'est de ça. Ça y a un butin. Ah bah, tout ça pour le masque en plus. Ah ouais, mais il y a un portail. En plus, c'est Alba qui est avec son 54. Tout le monde a récupéré des cartes et moi je vais devoir récupérer une carte tout seul après quoi. Ouais, non, pas tout seul. Mais tu sais que là où on est tous, c'est en mineur ou en botanique. Je n'ai pas mineur. Il y a les deux spots au sud où on était tout à l'heure. Oui, mais fallait que je retourne en arrière, j'allais pas abandonner mon portail alors que j'avais plus que 5 minutes. Ah, c'était. Non, mais il fallait faire avant. Bah j'avais pas prévu que tu plantes. Aussi. C'est tout à l'heure je parlais. Tout à l'heure j'ai pas planté. On était déjà sur la map d'avant, j'ai pas. Udal all you die. Le truc qui me choque c'est qu'il y a des gens en fait qui peuvent jouer à ce genre de jeu quoi. Je viens pour rigoler mais il y en a, ils jouent vraiment service. Comme dit les JDG, le cul ça fait vendre. Ah ouais, mais bon. Ouais, c'est brave de Stallion. Si on voyait donc ça, on aurait fait. Brave Stallion, machin. Et j'avoue que, ouais, la vache, j'ai joué comme ça sur Amstrad, machin et trucs. Le truc, c'est sur Switch, quoi. Il y avait. Il... Pour vous dire. Il y avait la zoophilie déjà. Vous pouvez passer. Ah, j'ai pas vu. Ah, d'accord. Hop, voilà. Qui c'est qui a pas passé? Ah bah, c'était Maya. C'était Maya. Désolé, je commence à avoir un peu le recul. Après quoi, le recul de. Il y a quand même pas mal des on va s'arrêter à deux cartes. Hein. Ouais. Il a dépassé les 350 points. Ça veut dire que les... Tout le monde a fait sa première. Yep. Là, du coup, je suis en train de la faire. Ah oui, ça c'est ta première. Ouais, la plupart des jeux comme ça, c'est sur PC. C'est pas sur Switch. Parce que pour moi, Switch, c'est famille. C'est pas. Voilà, pour ce genre de jeu, quoi. Non, en fait, qui me choque, quoi. Que ce genre de jeu existe, bah voilà, quoi, il en faut pour tous les goûts. Autant que sur Switch, waouh, c'est chaud, hein. Ah non, parce que ça, je dis ça 15h par jour, pas trop. Pas trop en ce moment. Mais il faut te reposer parfois.
Et je veux tomber l'autre zone, il est pas tombé sur tout le temps. Il y a pas longtemps que c'est sorti. T'es pas obligé de te presser pour les finir. On va de la base, on va faire après ça. C'est juste pour avoir le style pour pas être emmerdé sur les parties non plus. Bah, à croire que oui, en fait. Si ça apparaît sur Switch, même sur le store. Il y a vraiment une animation très 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 explicite. Hein. Mais c'est quand même chaud, hein. Je sais pas comment ça s'est passé sur. Au vu des cartes qui restent. Ouais, c'est qu'on aura les cartes. Après, j'ai commencé à faire les insultes il y a deux jours, je suis niveau 8, les gars. C'est pas comment. Ils tous sont dit oui, ça passe. Bon, déjà, je vais ouvrir celle que j'ai sur moi pour être sûr. C'est ça qui est chaud, quoi. Endroit. Nintendo se dit oui, ça passe tranquillement, c'est acceptable pour Nintendo. Garde le mal. Non, c'est d'abord. Mais, je suis désolé, mais tu vas arrêter de me suivre. Bah, au moins, elle baisse tout, il faut. Reza, t'as fait deux cartes ou pas? Non, il me reste encore ma deuxième. Donc, t'en as fait deux ou pas? Je crois que tout le monde a fait ça. Je suis en train de voir qu'il reste la mienne à la Pérado, ça fait un deuxième. Ah, c'est tout, t'en as fait deux. Tu reconnais deux qui sont au même endroit. Voilà. C'est tout, on a fait deux. Ou alors c'est la carte. Ouais, ce genre de jeu passe sans problème, quoi. Garde le moral. Et Swan, t'en as fait une ou deux? Swan en a fait deux. Donc il y a que moi et Swan qui avons fait deux cartes. Alors, alors, moi j'arrive, je vais ouvrir la carte. Et je sais pas où est-ce que je suis. Et... C'est. Là. Oh bah, on va s'appeler Marie-Marie, mais. Après, vous savez, des fois. Dans l'ordre de quel coup. Oh, le premier coup. Ça sera celle de Maya, la mienne, celle de Irine et celle-ci. Voilà. Et on s'arrêtera là? Non, j'ai comme. Il m'a. Non, après, il reste Marella Montorum et la Miratos. Ah, ok. Non, mais je dis, on s'arrête à deux ce soir. Maya est fatiguée. Moi, j'ai la gencive qui me fait. Qui est enflammé, je sais pas pourquoi, mais ça m'éclate la tête. Aïe. Non, mais aujourd'hui, ça a beaucoup saigné, et pourtant, ça, ils sont couronnés les dents. Vas-y, Maya, je te laisse la prise. Comme la reine d'Angleterre. Bah non, elle, ça t'était tombé aujourd'hui. On ne souhaite pas pareil à tes dents. Ouais. Ah, c'est surtout qu'on va bouffer ça pendant deux semaines. Avec des reportages sur sa vie, nanana, mais on en a pas beaucoup d'heures, je regarde pas la télé. Ah, par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une nouvelle première minute, à 100 jours, que tu me parles les couilles. Elle a réussi juste le temps d'en sortir la haine, qu'est-ce qu'il y a de ça. Putain, elle a survécu au Covid et elle est morte de vie. Ah non, c'est la canicule qui l'a. Attends, elle devait être là. Ah, justement. Vous pouvez voir comment Aline Renault et Michel Drucker. Il a été sur frigo. Ah, vous êtes la reine, il a sorti que pour les grandes occasions. Moi, je suis désolé, mais moi, je peux pas. J'en ai rien à foutre de ces gens. Ils en ont rien à foutre de nous, je reproche pas. Allez, deuxième chance. Je m'inquiéterai pour ces personnes. Hop. Pour que la dose soit prise. Poil, ma gros. Oui, faut qu'on ait un portail, je veux pas que le jeu me fasse grandir. Je veux qu'on ait les 400 coeurs, on est pas loin en plus. Hein. Bah ouais, on est à 37 déjà, vous déjà, j'ai renfloué ce que m'a coûté mon stuff. Alors, je vais quand même m'acheter des matériaux. Hein, pas déconner. Oh, bah, le problème, c'est que, bah,
il est impossible de savoir combien il en faudra en tout pour... pour le mail. Pour mail de le stuff. Je comprends pas la vivacité, de toute façon. Si tu veux, je te donne une petite vingtaine. Ouais, si ça se trouve, en fait, la vingtaine, elle va disparaître. GG pour les mails. GG. GG. Sans que j'ai réussi à meld. Deux. Ah, le nombre d'elle. Alors, par exemple, pour le temps, c'est... Je crois qu'elle m'a permis de... vérifie peut-être sur The Balance parce que ça a changé. Que c'est là pour le moment, c'est plus de trucs. Ah oui, bah non, en fait, bah non, ouais, non, faut juste garder mon intérieur. Ah oui, c'est une nouvelle, je peux faire des mais... Bah les 9, ça peut te servir potentiellement. Sur... Oui, mais le temps, c'est le même n'est pas pour faire le contenu. C'est trop de responsabilités en temps. Ouais. Oh, Red 24, c'est. Ça va c'est vrai que dans les dire que le va pas faire peur aux gens. Il y a une différence. Hein. C'est pas pareil. J'avoue, sur Barbarie, faut que tu fasses gaffe à pas celui-là avec qui. Le problème du savage, c'est qu'en France, il faut savoir faire un tour de pirotage sur le bout des doigts. C'est ma carte. Ah non, moi, j'y vais pas en entraînement, tant que je vais pas tomber. Hein. Alors là, c'est marrant. Déjà, il y a dans l'entraînement sur le bout des doigts, il va se taper les vidéos. Oh, j'ai tellement pas envie. Tu vois que t'appelles un entraînement de faire un groupe. Non, déjà, quand on galère juste à la tourner alors qu'on connaît plus le combat. Bah, le problème c'est que ça c'est attendre donc l'emmener en mode DJ fini, ça craint. Ah non, mais tu peux pas. De toute façon, si les gens ils ont pas milité dessus, tu peux pas te permettre de faire un. Tu fais ah, un oui, mais... start avec. Les gens, tu peux faire la vidéo. Sur le cas. Non, mais quand t'es DPS, t'es tout seul. Ça va. Bah, t'as des mecs individuels. On est quota, on va déjà fini. Ça va, c'est bien, c'est pas barbarique. Je vais faire une tentative là ce soir si c'est pas trop tard. Oh non. En PS. En fait, je cherche un PS. Golem. La gueule des PF, moi c'est bon. Hier j'étais. Et en entraînement, et toi tu vas toujours y aller en mission, avec sa mission. C'est pire. Le problème c'est que si les gens vont reçu la mission ils n'ont jamais mis quelques dons ou jamais de guide, c'est pas grave. Mais moi regarde autrefois quand il y a été au bout de 2 tries ça va je me démerdais. Hein. Et puis regarde quand il est retourné après la strat c'est bon une fois que j'avais dormi et tout la strat je l'avais entièrement en tête. Hein. Quand les ballons. Il est bon qu'on les dépose. Le problème c'est pas les mechas, c'est juste que les gens peuvent te buter en repentir. Voilà, c'est les gens sur le combat, tu peux. Je sais pas pourquoi je le sentais. Mmh. Ouais, je sentais beaucoup le bilan qui arrive. Pas de problème. comme vous, il est débile et les tanks qui s'apposent pour se passer. T'as quand les mechas sur les. Ah oui, le tank qui m'a buté parce qu'il sait pas se placer. Ah, en savage, moi, ils aiment bien faire ça en ce moment. Avec les carrés de l'autre. Tout le monde doit rentrer le temps de l'autre, dans un ordre ultra précis dans la pour gérer. C'est super. Et se barrer après, et t'as des gens qui ne se barrent pas, qui voient le truc les gens à côté. Et après, ils disent. En fait, si je passe à tout le monde, du coup, donc je vais bah, tu sais, à un moment donné, quand elle t'attache avec ses cheveux et que t'as le poodle bleu, le temps qu'il arrive à la bourre, t'as les 4 groupes et qui doivent se faire un double. Voilà, il arrive à la bourre, moi, c'est moi qui avais le cercle bleu, il arrive à la bourre sur mon cercle, et bah, je me fais tuer, et au passage, j'en tue d'autres. Vous me suivez? Mm-hmm. Hein? C'est ma carte la dernière, là? Il y a Finou et après ça sera la tienne. Finou d'abord et la tienne après. Bah Finou. Et puis après il restera Marina Montorum et la Mirafus. Oh
Oh, c'est encore moi qui vais tout. Bah, je sais pas, on va aller à Marème à la montagne. Je sais pas c'est qui. C'est moi. Ah, bah, oui, tu vas te tuer, ouais. Sur Marie, parce que. Ah, j'aurais pu activer le prix d'amis. Nous, on va payer moins cher. Il y a un truc qui s'appelle des TP gratuits. Il y a un truc qui s'appelle des TP. Tu sais, j'attends que les autres TP et après je pose les rêves. Allez, pour nous recaler 104, ça passe pas une somme ridicule, ça fout. On a 370 possibles. Il y en a en fait, non, 18 000. Non, non, regarde, chier, ça paye. La malhonnêteté, c'est. Il y a que les autres qui peuvent se rester. Mais moi, je serai. Donc, pas bonne conscience. Je n'aime pas mentir. Alors, omettre certaines choses, oui, mentir. Yep, mais je l'ai pas encore eu. Il faut que j'attende la prochaine fois. Sauf si c'est mentir pour cacher quelque chose d'important. Il y a une variable sur le mensonge. Après, si c'est quelque chose d'important ou c'est pour une surprise, je suis capable de mentir. Mais tu sais ce qu'on dit sur le mensonge ? Dans chaque mensonge, non, il y a une part de vérité. Ouais. Ah si. Non, moi je comprends pas de mentir sur certaines choses. Quand tu veux cacher comme une fête et tout, voilà, faire surprise et tout, ok, pas de problème. Mais il y a des trucs, non. Il y a les bons et les mauvais mensonges. Voilà. Les bons mensonges, c'est quand tu veux faire une surprise à quelqu'un, c'est un bon mensonge. Et t'as le mauvais mensonge qui est dégueulasse. Ah, il y en a, ça les dérange pas. Non, j'attendais, j'ai dit un truc sur Twitter. Après, il est dans l'instance. C'est pour ça que je m'inquiétais. Oh, il y a moyen, te dis. Ah, on l'aura bien vu le golem, hein. C'est pas impossible qu'ils offrent. Ouais, c'est pas impossible hein, qu'il offre hein, le Valkyrie. Le PS Plus Extra. Oh! Il a l'air d'être pas mal en plus. Hein. Je le prendrai. Quand j'ai regardé les trucs, c'est tout fait en anglais. Oh mince. Et puis nous, c'est clair de côté. De quoi? C'est clair de côté. Il a pensé, hein. Non, parce que j'essaye d'entendre ce que tu dis, j'entends juste l'autre côté depuis tout à l'heure. Oui, c'est éclairé de l'autre côté. Ouais, mais non. Et si, des petits lapins avec des pruneaux, c'est bon. Enfin, pas de lapin, mais. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Oh, c'est quoi cette merde? Ah, ça n'est en déco. Ah, c'est la guirlande de Noël. Ça n'est en déco. Oula. Je lag.
Allez, encore 11k et on a la somme providentielle. Ouais, c'est 6k. Ah, allez, boum, 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 boum. Et t'aimes ça? Ouais, parce que sur les 470, c'est les seules cartes où j'ai de la chance. Ah bah ouais, mais bon, faut que tout le monde ait la monture des cartes au trésor pour tourner faire ces fameuses cartes. Une putain de belle putain de plume! Une putain! Bah au pire, tu l'achètes hein! Non, mais c'est ce que j'ai. Si ça continue, c'est ce que je vais faire hein! Oui, mais moi. Et après, je sais pas combien elle coûte. Bah, plus d'un million? C'est plutôt 3 millions hein, les plumes, je voulais trouver 2 millions. Ah, ça a remonté? C'est entre 3 et 4 les plumes. Après, Jean-Michel 15 millions, Jean-Michel Proust. Ah non, ça a toujours été à 3-4 millions. Moi, c'est un ou deux qui les ai baissés à un moment. Mais... Je les avais vus à 1 million. Hein. Ah bah, vous auriez dû les acheter si tu vois 1 million. Ou alors, c'est sur Ragnarok. Non, non, y a pas un Karim Nakas aussi, cher. Juste que vous avez eu un moment, Jean-Michel était sans pas de. Éclater les prix chez vous à Louisbois, mais ça n'a pas duré longtemps. Oh, mais oui, mais chez les trucs comme. Oh, bon, ça m'arrange pour certains trucs, hein, les gens Michel Castille. Des fois, ça aide, hein. C'est bien d'avoir un Jean-Michel. Parce que vraiment, des fois, il capte un peu trop les prix. Hein. Ouais. Le truc qu'on veut vendre, là, par contre. Ouais. Quand tu vends en dessous du prix de vente du PNJ, t'es débile. Moi, je me trouve que c'est quand je mets un truc en vente, j'ai dans le main. C'est ça. Mmh. Alors, par contre, puisque les Jean-Michel casse-pieds, moi ce que j'aime bien c'est les Jean-Michel, je me gourde de prix. Tu viens de cette veste universitaire que j'ai eu à genre 100k au lieu de l'avoir à 1 million et quelques. Ouais, j'étais en train de cliquer dessus pour l'acheter. Et... Allez, on y va. Yep. Faut que les gens y passent. Allez, le masque de la chute. T'aurais pu le dire que t'avais passé. Mmh. Oh, pourquoi tu veux le masque? Non, c'est je le récupérer parce que j'ai. Là, eu, j'entends en avoir plusieurs à dégager, moi. Moi, j'aimerais ça fait mon troisième que j'aurai dégagé. Oh merde. Moi aussi, mais le problème c'est que bah j'ai Kali qui me réveille très très tôt. Ah là, j'ai mis les lunettes pour les lumières bleues parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça fait plusieurs jours d'assiette que je vois sur le tas de les écrans et. Bah, ça devait être pour ça que j'avais sommeil hyper perturbé. Ah, c'est possible. Mais ça fait 3 jours que Kali me réveille à 2h30, entre 2h30 et 3h. Donc j'ai terminé ma nuit. Comment te dire que la journée est très très longue. La deuxième semaine, quand j'ai repris le boulot, je dormais mal tous les soirs. Je n'arrivais pas à tenir et rester éveillé la journée au boulot. Ah ouais. Ça s'est vu sur mon boulot. Hein. J'arrivais pas à avancer. Et je m'endormais. Je suis hein. Le pire, c'est de lutter toute la journée. Parce que plus tu luttes, pire c'est. Pendant la nuit du midi, j'arrivais à dormir 20 minutes, mais quand t'as beaucoup de sommeil accumulé, c'est vrai. Ok, oui. Puis je sais pas, là, ça fait 2 semaines de. Je pète le feu.
Bah voilà, allez, c'est bon, on est à 400k. Quota sauvé la soirée. Bonjour la déco. La poké veut les faire. La poule poké. Alors attends, je vais faire attention parce que là en fait je n'ai plus de place dans mon inventaire. J'achète ce qu'il faut pour me faire des poké. Tu peux échanger des trucs en fait. Un petit poké. Non, tu peux pas. Alors attends, je tèche 2-3 trucs. Désolé, j'aurais dû vider mon inventaire bien plus tôt. Ah oui, il faut toujours vider son inventaire avant de faire une soirée de trésor. Il peut pas. Bah j'avais un segment entier en fait. Et ça n'a pas suffi. Ah non, je comprends pas. Pour au moins que t'aies 60-70 places présentes. C'est vrai que les matériaux, tu peux en avoir une vingtaine, trentaine différentes. La vitalité, c'est... désolé. Quelqu'un veut des filtres? Oh non, laisse tomber, je vais vendre. Voilà. Je fais 5-6 places. Oh! À gauche, pareil. Il y en a encore les bonbons. Encore les bonbecs! Je pense que ça doit pas valoir grand chose. Ouais, à mon avis, vu comment ça tombe. Ah, ça a dû t'ajouter à la dernière vague, on va savoir. Je pense que ça a... c'est possible de faire un peu. Passer. Ouais, passer les bras. De toute façon, on s'en fait rapport. Ah, moi je pensais que c'était l'autre porte. Attends. Oh, troisième. Et là, on se fait éjecter et là, la personne ne comprend. Ne comprend rien du tout. Non. It's a trap. De quoi en anglais tout le monde? Bonbon. Bah candy, non? Ouais, candy. J'avais candle en tête, mais non, ça c'est la bougie. C'est pas que j'étais pas loin. Candy. Candy. Tu penses à Candy Crush? Bonbon. Ça coûte 73 giles. Donc ouais, effectivement, on a qu'à mettre de côté. Félicitations. Je sais pour rien. Ah bah j'ai une fois 73 giles. Ah, tentation du flambeur. C'est ce que j'allais regarder. Si tu veux te faire la tenue en plus. C'est surtout de souvenir, ces étoffes elles valent encore un peu cher. Est-ce que je voulais regarder? Bah, elles sont nickel. C'est ça. De mon couvernion, ouais. À vous, minimum. Minimum 550 000. Mais j'ai vu que des étoffes. C'est un bon demi-million d'étoffes. J'imagine même pas les tenues. C'est quoi le nom des tenues? Je sais pas si c'est tireur par la ligne. Il y a combien? 7? Ouais. Il me faut combien pour la tenue? Et 1 par item et il t'en faut 50. Je veux la totale. 5. C'est 5 qui a 5 pièces. Ah, 1 par item, d'accord. Ouais. Donc, toute la tenue gratuite. Au final, il y en a que 3. Il y a que 3 pièces en fait qui m'intéressent. Donc, soit t'arrêtes là et t'es sécure, soit tu rebootes, tu restes de te chier dessus. Ouais, de te vautrer, donc vaut mieux t'arrêter, vaut mieux jouer sur la sûreté. 5, là, en fait. 1,5 Bah, j'ai que 3 pièces qui m'intéressent, le chapeau, la redingote et les, voilà, et les chaussures, donc voilà. Donc les pièces valent 750 000 en moyenne. Entre 750 000 et 900 000. Si les tops étaient à combien sur 5000? Oui, je sais pas, t'as 6 tops. Oh, je fais 91! C'est chier! Non, il devait veiller. J'ai perdu le cerveau. Du coup, on a mis des comptes de mes cartes dans le jour de. Pour voir ce que ça fait. Je suis pas sûr que tu puisses placer des trucs dans mon jardin.
Quatrième salle. Et de toute manière, je crois que oui, il a pas le partage pour placer les meubles. Mais c'est surtout que le jardin, j'ai déjà le maximum de décoration dedans. Par bah, contre, tu peux mettre dans la réserve. Tu peux mettre dans la réserve du jardin. Je me suis dit, ah ouais, mais pour faire une séparation, ça pourrait être pas mal, ça. Bah ouais, bah en fait, j'ai cherché un petit peu, mais même, tu vois, pour trouver au mur, là, j'ai ma petite idée, mais c'est pareil, quoi. Faut vraiment que je me mette une soirée, tu vois, pour bien... Bah déjà, là, ça a de la gueule, je vais pas dire. Mais ça ressemble à quelque chose, tu vois. Les maisons changées. Ouais. Ouais, parce que tout le monde peut entrer dans la maison, quoi. Ah bah, quand tu rentres et que le soleil te donne un bord de temps, là... Et du coup, elle va pas foutre le bordel dans ma déco. Hein. C'est déjà le bordel. Je dis ça bah, parce que hier, il a pas arrêté de m'embêter pendant le roster. J'ai rien fait. C'était un petit. J'ai ping-pong avec le RL de Dion. Oh, t'as été bully. Non, reste ouvert. Oh, d'accord. On était. Et là, on est à. Moi, pour moi, je suis à 447k. Ah, mais t'as des champs, quoi. Avant qu'on oublie Nox, tu peux me filer les maths, le matériel de... T'as des essences de trucs, hein, parce que... Alors... Ah mais c'est tout, soit prête des trucs aux gens pour prendre de la place, ou des trucs sur ta sacoche, des trucs, Puis je crois que ma carte allait du côté là. Je disais de mettre des trucs dans ta sacoche chocobo ou de filer aux gens en attendant pour pas être fou, des trucs. Si t'as besoin, dans les cartes. Il en reste une ou deux, je préfère. Ouais. Quelque part par. Je sais ce que je vais par faire. Par ici. Ça, clairement, je vais les faire. Je fais penser que peut-être tu cherches une. Ça doit être du côté là, hein. Je suis pas sûre. Stylé quand même. La zone. On va voir si on nous fout pour la suite des prochaines extensions. Je sais pas comment ils vont pouvoir faire mieux que ce qu'ils ont fait là. Hein. Ouais. C'est clair. Surtout moi, c'est ce que je me disais pour Shadowbringer, qu'ils ont sorti un Walker. Oh, je me disais, ouais, ils vont faire. Vous pouvez fermer pour. Ouais, vous pouvez fermer parce que bon, c'était la fin de. Mais là, vu que c'est une nouvelle histoire qui commence, je sais pas comment ils vont pouvoir garder les mêmes. Après, je sais pas, je dis ça, mais ça se trouve. Yep. Ah, Varshan. Voilà. Déjà l'a trouvé. Bah, en fait, on s'est brillé. Elle est en très bonne forme, quoi. Oh, l'arnaque. Même pas un portail. Bon, et on va quasiment finir à 23h. Il va être quasi 23h. Ouais. C'est bon, au niveau de time, on était bien. Donc les troisième cartes, ça aurait été chaud. Parce que moi, je me souviens plus où elle était. Je crois même pas qu'il avait dit.
boîtier ou les deux trucs. Ah oui, la prochaine extension de FF14, elle sera folle. Le problème étant que l'extension n'est pas du tout terminée. Donc, à voir. En tout cas, voilà, Endwalker, c'est vraiment une aventure incroyable. Hop. On va se mettre ici. Ils pourront pas faire mieux. Le truc, c'est que faut qu'ils fassent redescendre un peu les fitness et puis arriver sur un côté. Bien de repartir sur des bases simples au début pour faire remonter en puissance en fond, mais sûrement. Oh, de toute façon, je suis sûr qu'on va avoir Météon. Bamba, voilà. Fin de soirée. On se fait agresser par Platane. Attends, il avait en agro. 456212. Pas mal. Max, je te suis. N'hésite pas, je vous lance des. On est à la on va à la maison. Oui. Oh, bah voilà. Moi, je. D'accord, ça donne des plans maison, tout ça, tout ça. Il va falloir que je fasse le tweet. Moi, j'ai juste déverrouillé mes raids de syndic que j'ai pas encore fait. Ouais, je vais retourner, je pense en ce. Et moi, je vais aller manger. Merci pour la soirée de car. Ah, j'ai mangé. À la prochaine. Bonne soirée. Faisez-vous bien. Il y en a quoi. Ah non, j'ai débloqué que les là. J'ai pas débloqué le purgatoire. Putain, j'ai bloqué tout. En fait, je peux filer que les matins à niveau 9 parce que les 10 que je voulais voir. Ah oui. Ok, ok. Je suis là, je suis. Hop. Je suis à la maison. Déverrouiller des raids sadiques. À l'intérieur Non. Témoigner. Alors...
2900 pour la matière de collecte. Fois deux, voilà, les raids sadiques débloqués. De rien. T'arrives pas. T'as débloqué lesquels de sadiques, les limbes ou le purgatoire? Le purgatoire. Le purgatoire, ils sont dans les missions élevées. Ouais, y'en a trop. Moi, là, ici, je vois pas les. C'est ici, au PNJ là. Bah moi je l'ai pas. C'est à Labyrinthos. Ah, il est juste. Et quand tu vas dans les raids, mission difficulté élevée, parce que c'est là où ce qu'ils se mettent. Bah en fait j'ai que les limbes donc. Oui, les limbes. Attends. Ils sont en dessous, mais quand t'as mission normale et tu cliques sur mission à difficulté élevée, et en fait ça se met là. Toujours des ramés Twitter parce que j'arrive. Je vois pas, il a pas l'air de vouloir. Ils sont encore en PLS là avec la. Froxman, elle a fait une bourde. Non, elle va donner des célérités. Ah, ouais, c'est bon, ouais, je les ai débloqués. Bah, t'inquiète. Non, je pars pas en sadique. Je me stopper là. Putain, c'est long à faire tweeter. Hein. Voilà. De quoi? Mais non, parce que Twitter il lag à cause de la reine d'Angleterre. Mais il y a des gens qui meurent tous les jours, on fait pas laguer les réseaux sociaux. Alors, de toute façon, j'ai tout fait. J'ai pas me déco du jeu en même temps. Hop, je pourrais mettre fin au stream maintenant.